Sans check, sans check, sans check. Ah, ça grésille un peu. Eh ben, on va relancer ça. C'est dommage, ça grésillait pas tout à l'heure, il y a une seconde. Oui, sans check. C'est mieux quand ça grille pas. Malheureusement, une carte à le gâteau, c'est pas trop une option. Parce que moi j'en étais. Donc, après avoir été très fatigué et avoir confondu toutes sortes de pièces, il est maintenant temps de passer au bras. Donc j'ai quand même fait tout le panel lining qu'il y avait à faire sur le gun, une bonne partie qu'il y avait à faire sur les parties en jaune ici et un peu sur les parties en vert ici. Donc bon, en vert il n'y avait pas vraiment beaucoup de panel lining à faire, je me dis juste que peut-être je devrais en rajouter là et là. Peut-être même que ce serait l'occasion d'utiliser un peu le vert que je n'ai jamais utilisé. Et lui là. Ce serait bien de voir comment est-ce que il fonctionne. Donc on va le tester un petit peu sur la grappe ici. Ça sonnerait pas mal. C'est pas trop trop mal. Enfin, peut-être que ça vous pourrez pas le voir. Je vais m'en servir. On va tester. Ah mais non, là j'en avais mis. On va en mettre ici, du coup, du vert. Première fois que j'utilise le vert. En réalité, il pourrait être pas mal pour un Zaku en vert. On va voir si ça ajoute justement l'ombrage vraiment sympa. Peut-être que c'est assez sombre, on verra, on verra. Ça vaut totalement le coup d'essayer après tout. Si on n'essaie pas quelque chose de nouveau une fois de temps en temps. C'est un peu dommage. Donc ouais, ça le fait comme ça. C'est pas trop trop mal. Peut-être qu'on va même panel-liner ça comme ça, très vite fait, très salement. Et on dirait que je suis aveugle, mais j'ai pas fait cette longue ligne que j'aurais dû faire. Ça vaut définitivement le coup de faire du panel lining sur du HG comme ça. Même si le Hachimar, je suis pas certain que ce soit une unité suffisamment populaire pour faire autre chose. Je crois qu'il y a un Master Grade quand même.
Donc j'ai essayé de paneliner lui là, mais j'ai pas fait lui. On va quand même refaire lui avec du vert. Oh, c'est pas grave, ça s'enlève. Et on va panel line ici, comme ça. Et aussi un petit peu là sur les côtés, ça ajoutera un petit peu d'effet. Comme ça, quand il y aura besoin de découper ça, on pourra nettoyer ça un peu plus facilement. Parce qu'au moins, ce qui est bien, c'est que la grappe ici, elle commence là et pas directement sur la pièce. Donc, c'est quand même un petit peu plus facile à nettoyer, un petit peu plus facile à faire. Parce que sinon, ça devient un peu compliqué quand il y a besoin. Et normalement, on est bon. Première fois que j'utilise le vert, on va voir ce que ça donne. Parce que le vert olive, comme ça, c'est mignon. Salut Namikiri, ça va, quoi de beau? Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion de voir si mes notifs ont fonctionné sur Discord. Normalement, je devrais avoir. Ouais, j'ai une notif. J'ai reçu ma notif de test. Parfait. Ah, t'as fini le demi, c'est cool. Va falloir poster des photos. L'autre jour, j'avais dit à Nae de poster dans Atelier, mais en réalité, j'ai oublié que j'avais une section Gunpla. Donc, faut surtout pas hésiter à aller spammer cette section avec les photos. Demi, il est mignon. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu comme le gym et ça va être pas forcément très respecté. Mais bon, en même temps, je suis moi-même quelqu'un qui ne respecte pas le gym. Sauf peut-être dans Gundam Evolution. Sinon, ça va, quoi de beau? B28. B28 est ici, on fait pas l'erreur. Et B29. Et oui, je m'en suis rendu compte que quand je suis arrivé en week-end, que je me suis dit, tiens, mais la date là, et tout là, si je fais un peu des maths dessus et tout, y a des congés. J'ai pas l'habitude. L'an dernier, le 1er mai et le 8 mai, c'était des dimanches. Donc c'était totalement gaspillé et perdu. Y a des pays comme par exemple le Japon, le Canada, où si un jour de congé arrive un dimanche, c'est le jour suivant qui devient un jour férié. Pas un jour de congé, un jour férié. Là, je me dis, j'ai aussi manqué ce petit morceau là au niveau du panel lining. Mais ici, je l'ai pas manqué. Voilà. Et est-ce que je l'ai manqué ici? Ouais, je l'ai manqué ici aussi. Ouais. Bon, ouais, je suis toujours très partagé avec les jours de congé, parce que je suis là en train de me dire, oh non, je travaille pas, ça me manque. J'ai comme un syndrome de Stockholm avec mon boulot des fois. Et mes collègues, ils sont en mode, oui, mais tu sais, t'as le droit de prendre des congés. Ouais, mais non, il y a des trucs à faire, j'ai des trucs sur le backlog, j'ai. S'il vous plaît, laissez-moi coder. Bon, après, ça ne veut pas dire forcément que je vais avoir absolument envie de continuer à faire à continuer à faire certaines choses, certaines tâches très chiantes. Mais bon, là, par exemple, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu mon temps ce vendredi. Parce que le vendredi matin, j'ai. En fait, on ne m'a pas dit, mais on avait migré les serveurs de prod. Et du coup, j'avais quelques petits trucs sur les serveurs de prod que j'avais pas sauvegardés, un peu ma faute, mais c'est des scripts de debug et tout ça, que j'aurais vraiment dû sauvegarder, que j'aurais voulu sauvegarder, et si on m'avait prévenu, bah, j'aurais fait des backups, j'aurais fait en sorte de les garder. Parce que c'est des trucs, lors de la migration précédente, on les avait gardés. Et on m'a dit, on m'a même pas dit, ouais, on va faire une migration, quoi. Genre, on a dit, on va tout casser. Et moi, j'étais en train de dire, ouais, ok, vas-y, casse des trucs, mais. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai même été obligé de demander un petit peu ce que c'était, sur quoi ils allaient faire une migration, histoire d'être un minimum informé. Salut Azu, ça va, quoi de beau? Bah après oui, en même temps au Japon ils sont pas aux 35 heures, ils sont en mode black company comme on dit.
la compagnie qui n'est totalement pas la réponse de EA face à Call of Duty Black Ops. Parce que Battlefield Bad Company. Pourquoi je fais ça? Mais ouais, c'est compliqué avec aussi leurs heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Nous aussi, on a des heures supplémentaires qui sont pas forcément payées si on essaie d'en faire un peu plus, parce que bah, on n'est pas censé en faire plus. Contrat à 39 heures, pour ma part, parce que je suis dans la tech. Mais ouais, faut quand même s'assurer que voilà, on a un bon équilibre de vie et c'est normal de prendre des jours de congé. Même si, en vrai, des fois, ça me fait chier de devoir en prendre. Savez un peu ce genre de sentiment que vous avez en mode, ouais, ça aurait été peut-être finalement plus intéressant que je garde mes congés pour une autre date. Ce que je suis d'ailleurs totalement en train de faire pour novembre, même si en réalité, j'ai déjà tous les congés qu'il me faut pour novembre. Parce que je vais repartir 3 semaines au Japon. C'est juste que là, dès mardi, et j'informe un petit peu mon manager, je lui fais ouais, au fait, j'aimerais poser des congés loin devant, dans le futur. Et il va me dire ouais, ok, tu fais ce que tu veux, c'est tes congés, t'as le droit. Hein. Je lui fais ouais, t'es sûr, hein, 3 semaines, je pars au Japon encore une fois, je disparais totalement pendant 3 semaines. Je reviens pour shitpost sur Slack une fois de temps en temps quand je suis perdu quelque part dans la montagne avec des singes. Donc voilà. Mais après voilà, le mois de mai c'est bien aussi parce que c'est aussi des jours fériés qui tombent à des moments sympas cette année. Donc sur les lundis, ça permet d'avoir des week-ends beaucoup plus longs. À vrai dire, j'étais même en train de me demander qu'est-ce que je ferais aujourd'hui vu que le week-end est plus long. Est-ce que j'irai pas par exemple jusqu'à République pour regarder un petit peu du Gunpla qui est sur les étalages, sur les étagères. Finalement, non, je l'ai pas fait, je suis là. Mais j'ai doucement caressé l'idée avant de me rappeler que j'ai du backlog. Et je pense que de toute façon, j'irai dans la semaine. Après le boulot. Ah. On t'a forcé à poser 2 semaines, ça c'est un peu dommage. J'aime vraiment pas quand on essaie de te forcer à poser des jours comme ça. L'entreprise précédente, elle était un peu en mode, ouais, ça serait bien de poser 2 jours de congé en août. Toi t'es là, tu te dis, ouais, mais non, en août? Non, c'est débile. Pourquoi est-ce que je les poserais pas en juillet? 14 juillet, il y a un feu d'artifice, c'est la fête nationale, tu viens, tu cumules ça comme ça, et c'est sympa. Parce que moi, je suis plutôt 14 juillet que 15 août, honnêtement. Franchement, si je devais choisir, je préfère largement les feux d'artifice du 14 juillet, mais pas à Paris. Je ne les ai jamais vus à Paris, je n'ai aucune envie de les voir à Paris. Moi, je vais plutôt les voir au bord de mer, ça m'intéresse beaucoup plus. C'est beaucoup plus chill, déjà, sans mauvais jeu de mots. Ça c'est F, c'est E. Je cherche F, F3, c'est toi F3, et F4. Et puis aussi, voilà, les feux d'artifice, c'est sympa, j'adore ça. Donc, autant en profiter. Ouais. Les N-1, il faut les dépenser, ce genre de choses, je connais. J'ai dû checker un petit peu mon solde comme ça, m'assurer que je suis conforme. Mais je suis conforme, parce que j'ai tout dépensé quand il fallait. J'ai juste un collègue qui a été un peu obligé de poser des congés. Donc en fait on a un peu ce genre de problème dans la team, c'est que on se retrouve un petit peu forcé à certains moments de poser des congés. Donc lui il a des enfants, c'est pas grave, hein, il les pose vraiment de bon cœur. D'ailleurs, le week-end prochain, il nous a invités à un barbecue. Je sais toujours pas ce que je vais apporter, il faut qu'on se mette d'accord avec les autres qui y vont. Parce que moi j'ai totalement envie d'apporter des merguez et des chipots.
Je veux dire, j'adore ça. Et un barbecue sans merguez, sans chipot, c'est vraiment dommage. Ça devrait pas exister. On va se mettre tellement mal le bide. Donc, du coup, ouais, sympa. Et ouais, bah, niveau congé, après, moi je suis vraiment très très bien. Hein, j'en pose de temps en temps. Quand je pose un jour, là comme ça, à droite et à gauche, alors que j'ai quand même des choses à faire et tout, je continuerai de me sentir un peu coupable. Je me sentirai pas coupable parce que je vais au Japon. Mais je dis toujours à l'équipe que je leur apporterai des souvenirs parce que voilà, c'est normal, hein. Je vais au Japon, je vous rapporte des souvenirs. J'en ai encore d'ailleurs des souvenirs, hein. J'en ai acheté un petit peu plus. Des trucs divers et variés. Je me suis dit que peut-être quand j'aurai fini, parce que là je suis en train d'écrire la conclusion de mon voyage pour les vidéos, avant de réaliser en fait tout le truc. Et je repasse sur des éléments comme par exemple combien est-ce que j'ai dépensé en hôtel, où est-ce que je suis allé, ce genre de choses. Parce que je pense que c'est assez important en fait de venir et de parler des hôtels. Et d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on veut aller à certains endroits, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un hôtel si proche ou pas? Donc, lui, ici, il prend F3. Donc, il le prend comme ça. Ouais, c'est celui-là. Et ça rentre comme ça. Parce que il y a des trucs en fait, on vous le dit pas vraiment. Et ça j'en ai peut-être déjà parlé, mais genre, par exemple, quand vous êtes à Kyoto, vous pouvez accéder à Osaka et à Nara en une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est vraiment rapide en train. Donc autant prendre votre hôtel à Kyoto et le garder à Kyoto. Et c'est un truc que les gens en fait ne se rendent vraiment pas compte. Et c'est normal. Parce que vous n'êtes pas du coin et si vous ne faites pas certaines recherches bien particulières, personne ne vous le dira. Où est-ce que j'ai mis D? D, c'est ça. Donc D6, D7. Donc j'ai un peu envie de parler de ça. J'ai un peu envie de parler des petits trucs à savoir, comme par exemple, renseignez-vous sur. S'il y a des activités un petit peu le soir à faire, que finalement j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, j'aurais mieux fait de les faire. Mais je me suis tué les jambes. Avec plaisir et je recommencerai. Donc voilà. Mais bon, truc sympa. Et il me faut le PCE. Ça devrait être lui. Donc j'ai un petit peu prévu ça. J'ai aussi prévu donc c'est peut-être pas grand-chose, mais j'ai aussi prévu peut-être un stream pour pouvoir un petit peu parler de ça après avoir posté la conclusion pour un petit peu accompagner ça, peut-être faire un peu de Q&A. Mais vu que j'ai peut-être pas assez de monde qui me regarde, ça vaut peut-être pas le coup. Parce que en vrai, on pourrait peut-être même juste faire ça sur Discord. J'ai pas montré en fait des photos trop. J'aimerais montrer un peu plus de photos que j'ai prises là-bas. Mais j'ai un petit peu un problème avec tout ce qui est poster les photos en ligne parce que je ne veux pas poster toutes les photos en ligne. Parce que il y a un peu du vol de photos, ce genre de choses. Et pourtant j'ai des clichés qui sont vraiment très très beaux, que j'ai vraiment envie de montrer. Donc faut voir. Peut-être que je ferai un truc plutôt sur Discord, en mode stage. Donc ça sera un truc un peu plus exclusif, sans VOD, pas vraiment streamé du coup. Donc faut voir. J'ouvrirai un des sacs que j'ai là-bas pour vous montrer quelques souvenirs que j'ai achetés, des trucs que j'ai pas montrés du tout. Comme par exemple, bon, il y a une tonne de porte-clés, bien évidemment, il me reste un peu des pièces. Mais surtout, j'aimerais montrer des trucs comme par exemple des objets que j'ai obtenus lors d'une collab Sonic Colony pour Sonic Frontiers, qui, je le rappelle, est un jeu qui est décent et qui pourrait valoir un 9 sur 10 s'ils si avaient fait un effort. Donc on va voir. Mais ouais, là c'est bon, là je commence à atterrir du Japon.
Parce qu'il faut bien atterrir pour redécoller. Et puis je pense aussi là, après le Hashimar, je ferai peut-être une pause pour faire un petit peu d'autres jeux sur Twitch. Je sais pas si ça vous dirait de regarder un petit peu du gaming. Parce que le gunplay c'est chill et tout, c'est sympa, mais j'ai un peu envie de faire des trucs différents de temps en temps. D'ailleurs, en parlant de trucs différents, donc des trucs pas totalement différents en réalité, mais je me suis refait quelques games là, de Gundam Evolution. J'étais d'ailleurs en vocal avec Azu. Et c'était mes. J'ai joué le RX78 comme un dieu. J'ai refait ça. C'était magnifique. Quoique, non, attends. Non, j'étais pas en vocal avec Azu cette fois. Mais hier, ouais, j'ai fait des belles games avec. Malheureusement, c'était pas suffisant pour gagner. Tiens, lui, il est pas totalement dedans, le Polycap. Bah oui, Team Game, c'est ça. Mais genre, tu sais, on était encore sur la map là que je déteste là, avec les 3 points de capture. Et on s'était retrouvé avec en face quand même une compo vraiment bien énervée. Genre, ils avaient le Dynamess. Nous, on avait un sniper régular de merde qui, si tu touches pas, tu tues pas. Ils avaient un bon gros Sazabi, ils avaient un Marasai, et ils avaient un Unicorn, et ils avaient une autre unité en plus. Et au début, tu vois, on leur roule dessus comme ça, mais vraiment d'une façon assez impressionnante sur la toute première partie. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous de nous faire rouler dessus, parce que c'est la vie. Tiens, là, il y a les petits tuyaux, là, j'ai bien envie de les colorer. Mais je commence à vraiment apprécier jouer RX78. Donc c'est sympa. Je commence à comprendre comment on lance la bouboule pour casser les shields. Et j'ai bien l'intention de maîtriser ça un petit peu mieux parce que au final, ça fait beaucoup de dégâts et même si le gun il est pas très précis, il fait suffisamment en fait de précision à courte portée pour pouvoir toucher un petit peu aléatoirement. Est-ce que là c'est bon à l'intérieur? Pas totalement. Voilà, c'est sympa. Ça ajoute un peu d'effet, ça sera probablement totalement caché, mais c'est pas grave. Ça reste joli. Et sinon, vous jouez à quoi en ce moment? Azu, tu joues toujours à Dofus. Ah, il faut le F1 aussi. Ça, c'est pas F. F, il est ici. Ah ouais, en plus tu commences à compter les jours là. Ça commence à devenir vraiment sérieux là si tu comptes les jours. C'est quoi le niveau max? Parce que niveau 122, pour moi, ça évoque pas grand-chose. Genre sur PSO2, on a genre niveau 100, un truc comme ça, sur le classique. 200, ok. Ça me rappelle un peu genre justement PSO 1 et PSU où le niveau max est effectivement au niveau 200. Et qu'est-ce que ça change? Honnêtement, pas forcément grand-chose. T'as juste accès à des modes de difficulté plus élevés qui peuvent être assez fumés par moment si t'as pas une équipe un peu organisée. Ça aussi, c'est un truc à quoi j'aimerais rejouer un petit peu. Donc, toi tu le connais pas, Usagi, mais Nemikiri doit le connaître un petit peu.
Il y a ce gars qui s'appelle Sagitsuki. C'est un gars avec qui on jouait beaucoup à PSO. En fait, on a commencé à jouer à PSU ensemble avant PSO2. Et du coup, lui, il joue sur les serveurs privés Clémentine maintenant. Et il faudrait vraiment que je m'y mette à Clémentine parce que ça a l'air vraiment sympa en réalité. Ça a l'air même très très bien foutu, la façon dont ils supportent le jeu, mais c'est vraiment hors de ce monde. Clémentine, ils ont réussi justement à faire un jeu, un serveur privé potable, alors que il y a eu d'autres tentatives, notamment avec EGS par exemple, pour, j'ai oublié comment il s'appelait, Erlen Gaming Server, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je me dis, ça pourrait être sympa en fait de reprendre un peu PSU. Je suis pas encore niveau 100 en plus. Je suis suffisamment bas niveau pour que ce soit intéressant de le reprendre avec d'autres gens. Parce que tout ce qui est leveling et tout ça, ça peut être très très dur. Tu peux vraiment ressentir à quel point tu vas souffrir lorsque tu t'y mets. Et à plusieurs, ça facilite grandement les choses et ça devient beaucoup plus agréable. Parce que sinon, il faut jouer lors d'events avec des boosts d'XP, des trucs comme ça, pour vraiment genre, avoir l'impression qu'on progresse. Le stuff et tout est assez difficile à farmer, parce qu'on est vraiment sur ce genre de jeu où on ne donnait vraiment pas tout. Ouais, moi aussi, je suis trop saoulé avec NGS. Je le relance de temps en temps, mais ce que je vais faire quand même, c'est... Parce que je vais pas dire que c'est quelque chose que je dois à... À mes followers sur YouTube, du moins les followers originaux, mais je vais quand même essayer peut-être de faire un stream NGS, histoire de venir juste revenir sur le jeu, faire un petit peu genre un autre état des lieux, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, compléter un petit peu l'histoire pour Stia, même si honnêtement j'ai aucune envie de regarder les cinématiques. Et voilà. Juste peut-être faire une vraie croix bien définitive dessus par la suite, parce que de toute façon j'ai trouvé mon bonheur vraiment ailleurs. Et c'est comme ça qu'on fait. Parce que c'est très difficile. Là vraiment, j'aimerais m'y remettre pour juste qu'on essaie un petit peu là, les fonctions de Team Room et tout ça. Mais d'un autre côté, je suis vraiment. Je me dis, ça vaut quoi? Dans quel but, quel intérêt. Donc B14, on avait dit que B est là-bas, ne faisons pas l'erreur. Parce que la première fois, l'erreur, ça fait une belle vidéo, dont je suis très fier. La deuxième fois, c'est plus vraiment une belle vidéo. C'est un running gag un peu lourd. Mais voilà, PSU, ça serait sympa à tenter un petit peu avec tout le monde. Parce que en réalité, j'ai passé énormément de temps sur PSU. J'avais eu un Game Key qui était distribué gratuitement pour la version japonaise parce qu'il fallait une clé du jeu pour pouvoir y jouer sur les serveurs japonais. Et il fallait aussi un abonnement à un moment. Puis ensuite, le jeu est passé free to play. Et donc, tu n'avais plus besoin d'abonnement. Tu étais en ce qu'on appelait Community Course qui était en gros gratuit jusqu'à un certain niveau. Et passé ce niveau, tu pouvais plus level up. Tu n'avais plus accès à certaines parties du jeu, bien évidemment. Mais t'avais quand même, tu vois, tu pouvais toujours jouer. C'est toujours une partie de plaisir. Et vraiment super sympa PSU. C'est le jeu en fait qui s'est fait snobber à sa sortie ici chez nous. Et qui est un petit peu, on va dire, responsable du fait que bah ouais, PSO2 a mis du temps à sortir chez nous. Et encore, il n'est pas totalement réellement sorti chez nous, il est juste disponible chez nous, mais c'est quand même la version américaine. Ce qui fait râler beaucoup de joueurs qui sont là en train de dire oui, mais je comprends que dalle à l'anglais. Ouais, peut-être, je sais pas. Hein. Si t'avais grandi dans les années 90, tu comprendrais quand même que dalle à l'anglais, mais tu jouerais au jeu et tu ferais un effort. Tonne de jeux que j'avais en anglais sur Mega Drive. Genre Wonder Boy, par exemple.
Bah moi non, je suis pas assez étonné du tout. En fait, même je comprends parce que le PSU de base, en fait, il venait et il te donnait une histoire où tu jouais, tu vois, un personnage. Et les gens, ils étaient peut-être pas prêts avec PSO à jouer un personnage. Ils voulaient jouer leur propre personnage et pas Ethan Weber. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah c'était un petit peu justifié comme ça de leur tomber dessus. Et je crois qu'il fallait finir l'histoire pour créer son personnage. Donc tu perds un petit peu cet aspect, tu vois, du offline, qui est une partie très importante pour beaucoup de monde. Donc, parce que il faut le rappeler, PSO, ça coûtait un abonnement. Tu faisais ça avec un petit modem 56K ou des fois le BBA, si tu avais l'occasion d'avoir le BBA et l'installation pour pouvoir tirer des câbles Ethernet. Donc, ouais, jeuxvideo.com, forcément, il y est pour quelque chose, hein, avec son 7 sur 20. Je me rappelle que la note est vraiment mauvaise. Et là, tu me dis, ouais, non, mais mec, pourquoi est-ce que tu fais une exécution comme ça? Donne-lui une chance au jeu, quoi. Est-ce que t'as essayé le online au moins? Après, c'est vrai que ça devait pas être forcément fou, mais c'était déjà quelque chose. Et probablement qu'ils ont essayé la version console, donc tu vois, ça pourrait sembler un petit peu plus archaïque, ça dépend, c'est. Parce qu'il faut avouer, tu vois, jouer en ligne sur console, ça faisait rêver avec la Dreamcast, puis ensuite, t'es là, tu te dis, ouais, non mais je rêve plus là, c'est sur la PS2 et tout. Et la version PC devait pas être forcément trop mauvaise, même si, honnêtement, l'ergonomie des menus aujourd'hui sur la version PC. Elle fait. Ah, ça fait peur, hein. Mais après, c'est pas grave, c'est pas grave. Le jeu était pas mauvais, le jeu était même plutôt bon, à mon avis. Mais c'est comme ça, quand un jeu est vraiment mal reçu et qu'il se fait descendre par la critique, à l'époque où on écoute les critiques, à l'époque même où on suit les critiques, jeuxvideo.com était quand même suivi un petit peu comme le dieu de la critique à cette époque-là. Ouais, t'as vu, le grid métallique, il rend super bien. C'est un truc de fou. Tu peux t'en servir pour faire, par exemple, sur les guns, tout ce qui est viseur et tout ça. Le rose métallique rend super bien aussi, mais voilà, il faut pas en mettre trop. Mais oui, les reviews. Aujourd'hui, les gens ils précommandent sans vraiment regarder les reviews et ils se retrouvent avec des navets. Genre là, il y a le nouveau jeu, la Jedi Fallen Order, je crois, qui sans aucun doute est un jeu avec des cinématiques très belles, très intéressantes et un concept qui peut plaire à un peu de monde, sans doute. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jeu a des gros problèmes de performance. J'en ai parlé même qu'avec une bonne grosse RTX 4090, on a des problèmes. C'est ça, il n'y a pas de review si tu préco. Les gens ne savent pas que quand ils précommandent, ils peuvent aussi annuler leur précommande, selon les plateformes. Hein. Steam te permettait déjà, avant de faire les remboursements, d'annuler les précommandes. Il fallait passer par le support, mais tu pouvais l'annuler. Et bien évidemment, enfin. Les gens ils se disent ouais mais j'ai déjà payé donc qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses, ça change énormément de choses. Ouais, ça dépend. Je pense que il est temps un petit peu de lâcher des nouveaux pour les performances parce que beaucoup de jeux qui sortent se retrouve sans problème de performance vraiment majeur avec des nouveaux, et pourtant, tu vois, il y a des nouveaux dedans. Parce que c'est pas toujours synonyme de problème de performance. Je pense qu'il faut juste maintenant regarder un peu de plus près, genre, les jeux qui arrivent comme ça et qui ont de très mauvaises performances, comme Hogwarts Legacy au début, juste parce que, bah, il y a un effort qui n'est pas fait à certains endroits ou quelque chose. De la part des développeurs, et tu te rends compte que, ouais, après quelques mises à jour, un petit peu sur les drivers aussi, parce que les mises à jour driver, ça c'est important, parlons-en un petit peu, mais
quand quelqu'un vient et vous sort une mise à jour de driver, vous êtes là quand même en train de vous dire, ok, la mise à jour du driver, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que ça va vraiment améliorer quelque chose, on va dire, dans notre vie? Et la réalité, c'est que, en fait, des fois, les drivers sont là pour venir corriger des problèmes que le jeu a, mais que les développeurs n'ont pas forcément soit pu corriger, soit vraiment pris le temps de corriger. Parce qu'il y a toutes sortes de tricks qui sont utilisés dans les drivers pour s'assurer que certains jeux puissent tout simplement tourner dans des conditions bien. Ou des conditions un petit peu plus sympas. Et vraiment, je ne parle pas de tout ce qui est ajouter du DLSS 3 et tout, hein, même si ça, ça compte. Et le DLSS, aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de développeurs qui vont banquer dessus parce que bah, le DLSS, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir quand même un petit peu des problèmes de performance à certains endroits. Donc par exemple, le streaming d'assets, comme tu dis, c'est quelque chose qui, effectivement, peut vraiment tuer les performances si quelqu'un a un PC vraiment, tu vois, qui n'est pas destiné à streamer les assets de façon rapide. Donc quelqu'un qui vient, qui joue par exemple sur un disque dur externe, il va le sentir. Je comprends aussi que de temps en temps, tu n'as juste pas le choix quand tu veux jouer sur un laptop par exemple, parce que tu te retrouves avec le SSD qui est soudé à la carte mère, ou même dans certains cas, tout simplement, tu sais pas comment changer le SSD, cloner le système et tout ça. Pour les gens qui sont vraiment un petit peu moins préparés à ce genre de choses, c'est vraiment flippant comme situation. T'es là, tu te dis, ouais, non, mais est-ce que je dois perdre toutes mes données pour avoir un peu plus d'espace disque parce que le jeu fait 80 gigas? Nous, on était déjà en train de paniquer quand un jeu faisait 4 gigas il y a 10 ans. On se disait, ok, mais comment c'est possible? Non, pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'abuse un peu. Mais c'est vrai que, ouais, avec tout ce qui est en fait râpé dans la machine virtuelle des nouveaux, il y a quand même des pertes de performance, c'est vrai. Mais elles ne sont pas forcément toujours énormes aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux maîtrisé. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de performance sur beaucoup de jeux qui sont réparés assez rapidement avec les mises à jour qui sortent, sans pour autant virer des nouveaux. Et tu as aussi des jeux qui ont des problèmes de performance, comme Cyberpunk. Et ça, c'est jamais réparé avec des nouveaux qui partent, parce qu'il n'y a pas des nouveaux. Enfin, le jeu, tu le prends sur GOG, il n'y a même pas de DRM dessus, quoi, sur GOG. Même si, je veux juste dire un truc comme ça, c'est une opinion, il va venir un jour où il y aura des DRM sur les jeux CD Projekt qui viennent de GOG. Parce qu'on a eu un peu le cas avec Hitman, qui nécessitait une connexion continue, et... Je vais en dire du mal, des chouchous de tout le monde, c'est des Project Red, parce qu'un jour ils vont devenir le vilain que tout le monde ne pensait pas voir venir un jour. Oui, mais RE7, il est sorti il y a combien de temps? Par rapport aux jeux, tu vois, qui sortent vraiment genre aujourd'hui. J'ai pas l'impression, tu vois, qu'on râle autant à propos, tu vois, des performances avec et sans des nouveaux, parce que même Doom, qui avait été d'abord release sans des nouveaux, et qui ensuite avait été release avec des nouveaux, enfin, je crois que c'était Doom Eternal, j'ai pas souvenir d'avoir entendu les gens râler autant. Mais oui, la politique des boîtes, qui vont mettre des nouveaux, et qui vont sûrement pousser la rentabilité, parce qu'ils mettent le jeu avec leur DRM au lancement, et ensuite, ils finissent par l'enlever au bout d'un moment, principalement parce que bah, ça leur coûte d'avoir du dénouveau qui tourne sur leur jeu, mais aussi parce que bah, ouais, les gens ils sont un peu en mode « ouais, ce serait bien de pas avoir un exécutable qui fait 400 mégas parce que ils font des trucs bizarres avec ». RE8 ? J'ai rien vu sur RE8, j'ai même pas suivi RE8. Ok, et il a été enlevé récemment et ça fait changement. Bon. Bah, Capcom qui fait de la merde, hein, bien évidemment. Mais c'est pas nouveau, hein, Capcom qui fait de la merde. Il suffit de regarder, par exemple, juste pour prendre, tu vois, un exemple vraiment flagrant. D'accord ? Monster Hunter World. Monster Hunter World, c'est le jeu qui va venir, qui va tout le temps bouffer et target 100% du CPU. Pourquoi est-ce qu'il va target 100% du CPU? Aucune idée.
Est-ce que c'est parce que tu fais constamment des checks CRC en boucle pour pouvoir t'assurer que le jeu n'a pas été modé dans tous les sens? Peut-être. Mais 100% du CPU sur un 2600K, d'accord? Un processeur, tu vois, qui a quand même 10 ans, versus 100% du CPU sur un 5900X, un processeur, tu vois, qui a genre 2, 3 ans. Ouais, 3 ans. Là, tu te dis ouais, ok, pas besoin de des nouveaux pour casser les performances et user du CPU sans aucun respect. Après, bon, bien évidemment, si le CPU est pas à 100%, bah c'est que tu es en train de pas utiliser ton CPU à 100%, hein. Donc tu utilises pas ce que tu payes pour, mais les gens ils font tourner des jeux avec leur navigateur web ouvert, un stream. Des fois, il y a des streamers aussi qui aimeraient, genre, avoir comme moi là, mon avatar. Et on se retrouve un petit peu à se dire, ouais, non, mais ce serait bien si on avait des performances en plus là, c'est. Vas-y là, le PC. Mais ouais, totalement claqué au sol, hein. Tu viens, tu lances le jeu, ok, CPU à 100%. Pourquoi? Parce que. C'est vraiment moche. Le super Hashimar Punch. J'ai quand même en train de me dire que peut-être j'aurais pas dû mettre cette main, donc j'enlèverai la main plus tard pour pouvoir mettre le gun, parce que je vais peut-être lui mettre le gun en main et le mettre en position semi-transformée. Mais de toute façon, comme je vais jouer avec et que je vais vous montrer ce que ça donne de transformer, parce que j'ai envie de voir ce que c'est, on va quand même le construire comme ça et on lui mettra le gun plus tard. Donc ensuite, il faut des 14. Et dès 14, il va prendre un sticker sur le dessus. Ouais, le jeu gère le jeu comme s'il y avait 32 threads ou un truc comme ça. Et du coup, les premiers modes. Qu'il faut installer en réalité, c'est le Stracker et tout ça qui réduit déjà ce genre d'utilisation CPU et qui en plus permet d'ajouter du modding. Donc, moi j'ai modé le jeu d'ailleurs. On m'a passé des mods, on m'a dit tiens, ça c'est des mods pour pouvoir faire le Safi Jiva quand on veut, faire la Kulv quand on veut. Et j'étais là en train de me dire, tu sais quoi, je vais prendre ça parce que je veux vraiment pas me dire ok, bah c'est pas la bonne semaine pour pouvoir faire ce type de contenu, donc on va attendre une semaine, 2 semaines pour avoir le bon contenu que nous cherchons. Et en même temps, dans le mode, ils avaient soi-disant inclus aussi la handler avec le visage arrangé, parce qu'elle a toujours un visage un peu creepy, et en bunny suit, mais j'ai oublié comment on change la tenue de la handler, donc elle n'est pas en bunny suit. Rendons le jeu plus intéressant, plus attrayant. Donc, cette pièce va ici. Prends un sticker. Cette pièce prend un sticker. Si j'avais du mauve comme ça, en feutre, j'aurais plutôt mis du mauve. Du mauve. Violet, mauve. Ouais, bah. World est bien, hein. World est vraiment très bien. Hein. Même si ils ont ajouté la Clutch Claw avec Iceborne. Et du coup, ça réduit vraiment le fun parce que t'es là, tu te dis, ok, donc maintenant il faut venir danser toute cette Macarena pour pouvoir, genre, attendrir les parties et s'assurer qu'on va pouvoir faire les dégâts correctement. Donc t'as toujours un gars, tu vois, qui est de corvée à faire ça. Généralement, ce gars, c'est moi. Et tu souffres quand tu fais ça, des fois, sur certains mobs. C'est l'horreur. Beaucoup de monde diront oui, mais ça rajoute un petit peu genre de réalisme ou quelque chose. Ouais, non, on s'en tape du réalisme. Qui veut du réalisme dans un jeu qui s'appelle Monster Hunter World, dans lequel tu chasses des gros monstres géants? Je ne veux pas vivre dans Jurassic Park, voyons. Je serai le premier à me faire bouffer. Je cours pas assez vite, voyons. Une correction au pinceau, ça pourrait le faire si t'as vraiment le mouvement.
bien, voilà, Rift Emotion, profites-en, c'est la version longue. Et on a besoin de PCF. PCF qui doit être monté comme ça ici. Ouais, alors la main va pas tenir. Et ensuite, on met. Donc là, on a encore B13 qu'on combine avec E14. Les musiques sont clairement la meilleure partie de Gundam Wing. Ouais, sinon, là récemment, en parlant musique, j'ai fini Bocchi the Rock. C'est un truc que j'aurais dû regarder de façon hebdomadaire, en vrai. Parce que tout le monde l'a hypé, j'arrêtais pas de voir des clips sur YouTube avec Bocchi qui fait des trucs et qui arrête pas de fondre dans tous les sens ou qui part dans ses délires intérieurs. Parce que, un peu en mode crise d'angoisse sur pattes. Très très fun! Donc moi je recommande très vivement Bocchi the Rock. C'est vraiment sympa, il y a des scènes vraiment très intéressantes. Est-ce que ça donne envie d'apprendre à jouer de la guitare? Pas forcément. Moi je suis vraiment pas trop intéressé par apprendre à jouer d'un instrument. Je sais pas si vous savez jouer d'un instrument. Moi j'ai juste fait la flûte au collège. Parce que on n'avait pas trop le choix. Ouais, le film de Wing, faut que je le regarde. Faut définitivement que je regarde le film de Wing aussi. Ouais, mais du coup, le simple fait que ce soit en 1h30, ça doit être un peu plus supportable, parce que bon, la meilleure partie de Wing, c'est clairement pas le délire de vas-y, là, on fait de Rilina notre reine, puis ensuite, oh, au fait, on n'a plus besoin d'une reine, donc fuck off, Rilina. Parce que bien évidemment, il fallait que le plot soit comme ça. Voilà, et ensuite les mains rentrent comment? C'est genre, ouais, faut rentrer ça comme ça, puis. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que ça rentre dans le bras. C'est intéressant. C'est. Ok, peut-être que c'est pas aussi intéressant que ce que je voudrais. On n'est vraiment pas sur du haut niveau pour le AG. Là, on sent que c'est un petit peu genre du low cost, qui sont un petit peu plus anciens ceux-là. Moi non plus, je sais pas ce que c'est dire avec le Luxembourg là-bas. Mais c'est vrai, tu vois, que ça faisait un petit peu, ouais, comme tu dis, sur le cahier des charges, si tu dis que le cahier des charges, il disait un combat par épisode, c'est pas étonnant. Mais en même temps.
Ça me fait un peu penser, et je vais dire du mal de Gundam 00, mais ça me fait un peu penser à Gundam 00, où ils sont aussi en train de se mettre sur la gueule, tu vois, au moins une fois par épisode. Un petit peu comme, tu vois, si, il y avait besoin de montrer, tu vois, du génocide. Parce que, au bout d'un moment, ça devient du génocide. Par contre, non, ça changeait pas de but. Tous les 5 épisodes, ça changeait de but beaucoup plus rapidement que ça. Parce que je me rappelle très littéralement, c'est en mode vas-y là, Rilina, c'est notre reine. Puis ensuite, ouais, non, Rilina, c'est plus notre reine. Toi, t'es là, tu te dis, ouais, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la monarchie, voyons. Enfin, si on peut appeler ça une monarchie, c'est une blague qui tente de faire semblant qu'il y a une monarchie. Mais bon, c'est un symbole, elle est juste là pour. C'est une prise d'otage, voilà, c'est une prise d'otage. Ouais, dans Zeta, t'as un combat par épisode, ça avait du sens. Et c'était pas forcément, tu sais, du combat. On va dire que t'avais besoin, tu vois, de regarder activement pour avoir une idée de ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir un truc pivotal au niveau de l'histoire. Genre, dans Wing, il y a ce combat où à un moment, t'as Hiro qui vient et qui descend, tu vois, une shuttle, dans le seul but de venir et de tuer, tu vois, des gens qui ont un petit peu envie de parler, juste parce que bah il y a un plot qui fait que bah ouais, ça peut fonctionner, donc on va venir et on va mettre tous ces gens importants au même endroit et les évacuer, alors qu'en fait ça n'avait aucun sens. Tu vois, donc c'est un petit peu en mode vas-y, on essaie de donner un petit élément au plot à chaque fois. Et c'est forcé, c'est très forcé. Bon après, ça se regardait quand même un peu, mais. Ça restait pas forcément ce qu'il y avait de plus fun. Et on met F7. Oui. Ouais, c'est ça, c'est du Musso, parce que t'as tous les Léo là qui apparaissent, les Ariès. Et toutes ces, tous ces mobile suits de victimes qui sont là. Alors que, effectivement, dans Zeta, t'as des enjeux, t'as des trucs, t'as des gens qui, littéralement, tu vois, s'ils meurent, ils meurent. Hein. Et ce serait bien d'ailleurs que Gérine meure un peu plus rapidement, pour être honnête, parce que Gérine, c'est une grosse merde, qui ne mérite en aucun cas de vivre plus longtemps que ça. C'est tellement une victime que le gars, il se dit, ouais, je vais venir, je vais totalement aller me battre contre eux. Camille Bidan, un super new type qui va totalement avoir peur de quand je vais venir avec mon flingue et que je vais le tenir en joue comme ça alors que je suis en béquille. Gérid, mais le Gérid, c'est un clown. C'est incroyable. Ok, là on connecte le bras. Ok, c'est connecté. Et du coup, ça, comment est-ce que ça va fonctionner ensuite? Donc, ensuite, on va devoir tourner le point pour le rentrer. Ça doit être ça. Et. J'ai aucune idée de comment ça va se transformer. Bon, on verra comment ça se transforme plus tard, mais on a un bras avec le point. Et ça, peut-être que ça mériterait un point de colle, hein. Parce que la main comme ça, qui est en mode vas-y, on la monte en deux pièces. Non, c'est bien. C'est pas fun, hein, ça. On mettra un point de colle un peu plus tard. On va tenir ça comme ça, voilà. C'est bien si c'est tenu comme ça. Et on va remettre ça par-dessus ici.
Donc ça devrait être un bras qui va sans doute tenir comme ça. J'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose, hein. J'ai rien skip pourtant. J'ai rien skip pourtant. Ok. On se posera des questions plus tard. Salut Yana, ça va? Quoi de beau? Donc, vu qu'on a déjà fait un bras, on peut faire l'autre bras plus rapidement. Donc, 17-18 avec F6, F5. Voilà, F6, F5, on les a ici. F6, F5. Tiens, là aujourd'hui il y a quoi qui sort? Est-ce qu'il y a un épisode de Nier Automata ou c'est encore en pause? Parce que j'ai vraiment envie de regarder Nier Automata. On dirait qu'ils ont commencé vraiment à faire des choses très différentes du jeu. Et disons que j'ai besoin de plus de Nier dans ma vie. Ouais, ça, dans les derniers trucs que j'avais vus, parce que j'ai regardé une très longue vidéo de 6 heures sur un petit peu l'intégralité du truc, et apparemment ça a couvert un petit peu des flashbacks qu'on n'a pas dans le jeu, ça a couvert un petit peu des trucs en plus. Donc j'ai vraiment envie de m'y mettre, et je pense que je vais profiter du long week-end pour m'y mettre, parce que ça vaut totalement le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là que j'aimerais vraiment voir? Voyons voir. Où est-ce que j'ai mis ma spreadsheet? Faut que je continue Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Je n'ai regardé que 2 épisodes, mais j'ai beaucoup de mal à vouloir continuer. Je crois que la semaine prochaine, j'espère que je dis pas de la merde, qu'on va avoir Golden Kamuy saison 4 qui recommence. Donc, on verra. Mais pour le moment, je suis pas trop certain. Donc, faut voir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ouais, ensuite, faudrait vraiment que je continue, que je commence Yamada Kun au level 999 no Koe wo Suru, Marotsukai no Yome, saison 2. J'ai droppé Otonari no Ginga et Ao no Orchestra, il faut que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Parce que ça avait l'air intéressant sur Synopsis, mais je l'ai pas pick-up. Donc je pense qu'on peut dire, je pense que c'est safe de dire que je l'ai droppé. Otonari no Ginga, vraiment, c'est le genre de truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Ouais, t'as de la peine à accrocher au manga cette année. Ces dernières années. Bah écoute, si t'as de la peine à accrocher sur quelque chose, va lire Berserk. Va lire un truc, tu vois, qui a un ride vraiment très très wild. Berserk, ça peut l'être. Je te dirais peut-être, tu vois, de lire un truc comme Chainsaw Man qui est pas trop trop long aussi. Ouais, tu trouves que tout redevient. Ah, mais voilà, le gars il fait Berserk, je connais, mais non. Et il se plaint que tout devient répétitif. Écoute, il faut faire des efforts. Sinon, tu regardes, je sais pas, Gundam Thunderbolt.
y a deux films. Ose me dire que c'est répétitif après les avoir vus. Tu vois, même si tu veux regarder que le premier film, ose me dire que c'est répétitif après ça. Et on verra. Mais je peux te garantir que tu te trompes. Ouais, Maiko-san chi no Makanai-san est probablement très intéressant à lire. Le manga était un petit peu plus chiant, honnêtement. L'anime était un peu plus chiant et honnêtement, j'ai pas réussi à le regarder en sachant qu'il sortait une fois toutes les 3 ou 4 semaines, un truc comme ça. Mais Maiko-san, ouais, c'est très intéressant, c'est très informatif, c'est le genre d'anime, tu vois, qui est absolument. Le genre de manga qui est absolument super confortable, que je dois continuer aussi. Et en animé vraiment confortable, il y a aussi Eurocamp avec le film, les deux saisons, il va y en avoir une troisième aussi. Donc voilà. Ouais, non, mais mec, si t'arrives pas à faire le deuil de Fullmetal, ça fait genre, quoi, plus de 10 ans que l'animé est fini, tu vois? Faut passer à autre chose, quoi. Y a des trucs bien, y a beaucoup de trucs bien, hein. Et puis, si tu veux, tu vois, du même auteur de Fullmetal, t'as toujours Silver Spoon, qui est extrêmement bon. Silver Spoon est sans aucun doute un truc original, le moins répétitif du monde, parce que oui, il y a un petit peu, tu vois, cette romance à la con que pas grand monde, tu vois, va peut-être aimer, mais t'as quand même, tu vois, un setting qui est unique. Genre, oui, ok, tu vas regarder le personnage principal, tu vois, marcher dans de la mer de vache, de bœuf, de temps en temps, mais c'est drôle. C'est une très bonne expérience aussi, hein, c'est absolument tout ce qu'il y a de plus. Enfin, tu viens, tu regardes ça, t'es là, tu te dis, ouais, non, mais j'ai envie d'aller, genre, traire des vaches, j'ai envie d'aller cueillir des œufs, même si c'est vrai que les œufs élevés en plein air, c'est plus éthique. S'il vous plaît, pas de cancel. T'as regardé et lu Fullmetal tellement de fois et t'as toujours pas touché à Silver Spoon. Bah écoute, Silver Spoon, c'est le genre de truc, tu vois, en deux saisons, qui honnêtement mériterait, tu vois, une troisième saison pour clôturer le manga en animé, que j'attends un petit peu, mais je vais totalement le lire à un moment parce que c'est le genre de truc, tu viens, tu le lis, tu sens, tu vois, qu'il y a de l'expérience personnelle de l'autrice qui. Tu vois, leak tellement là-dedans que, tu vois, c'est feel good à la fin. Parce que c'est basé un petit peu sur l'histoire de l'autrice, en fait. Ouais, tu peux lire son manga d'abord. Son manga autobiographique, avec un petit peu des libertés. Yomi no Tsugai, ouais, ça aussi, Yomi no Tsugai, c'est assez rafraîchissant. Moi, je l'ai commencé, je trouve ça vraiment très intéressant. Le setting est vraiment pas mal, et ça fait plaisir de retrouver quand même quelque chose d'un peu original, un nouveau design, parce que Arslan Senki, c'est pas elle qui l'écrit, mais elle le dessine, et je suis un petit peu moins fan de Arslan Senki. Genre, j'ai juste l'impression que Arslan Senki, c'est une histoire qui serait peut-être un peu plus intéressante si on prenait un peu plus de liberté à certains endroits et un peu moins de fanservice avec certains personnages, même si carrément on supprimait certains personnages. Parce que bon, la Discount Lust qui est là-dedans, qui est censée être une prêtresse et tout, elle est habillée très légèrement et honnêtement, pas mon personnage préféré. C'est vrai qu'on a dit on va peindre ça. Où est-ce que il est là? Ouais, bah voilà, si Arslan Senki t'aime pas, bon, ça arrive, c'est normal. Puis après, tu sais, je pense aussi que les auteurs ont tous le droit d'écrire un navet de temps en temps. Donc même si c'était genre elle, tu vois, qui écrivait une histoire qui n'est pas forcément top, c'est pas grave. Moi, j'accepte ça. On peut pas toujours écrire un killer d'un coup. De temps en temps, c'est même difficile de venir et d'écrire deux fois la même chose, la même histoire vraiment bien.
Et dans le cas en plus, je pense pas que Yomi no Tsugai, ça sera un gros événement comme Full Metal. Mais faut voir. Ouais, mais bon, Nomiko Takahashi. Non. Takahashi. C'est une autre époque, il y a beaucoup de monde qui, tu vois, ne tenterait pas l'expérience juste à cause de comment, tu vois, c'est juste à cause de comment elle est old school. Ah, mais oui, mais c'est comme ça va se fixer, ça va se fixer là. Et oui, c'est ça, c'est ça. Wait. Ça va se fixer, ça va se fixer. Juste moi qui suis un petit peu perdu dans ma tête. Ah ouais, il est bien l'animé de Lucella? Parce que moi honnêtement, je voulais le commencer, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment trop de motivation. Ça c'est un truc un peu plus personnel, c'est juste je me suis dit tiens. Est-ce que j'ai envie de m'y mettre ou pas? Le plot avait pas l'air super intéressant au début, mais après voilà, c'est parce que c'est un truc old school, c'est un remake. Donc faut voir, est-ce que ça vaut le coup? Et du coup, est-ce que ça va être comme avec Gundam? Je vais me dire, ouais, je me suis trompé. Parce que Gundam, c'est pas que j'aimais pas au début, mais c'est juste, j'avais un peu genre, je pensais que ça allait être un peu tous les mêmes. Et c'est vrai, quand tu regardes Gundam Seed et Mobile Suit Gundam, t'es là, tu te dis, ouais, ok, d'accord. La même histoire, mais en différent. Mais en réalité, ouais, je vais pas donner sa chance. J'aurais peut-être dû lui donner sa chance. Ranma 1,5, ça c'est un truc que j'avais vu il y a très longtemps. J'ai une amie qui avait d'ailleurs, qui m'avait prêté les coffrets. Donc, faut voir. Après, certains de ces trucs old school aussi, ils ont mal vieilli. Donc, des fois, ça peut faire un peu cringe, effectivement, comme Namikiri dit. Ce qui est normal, hein, je veux dire. Soyons honnêtes, notre cher City Hunter est forcément écrit de façon à ce que bah, y a un petit peu d'humour pervers et tout, qui peut avoir extrêmement mal vieilli. Il suffit de regarder même d'autres trucs qui ont très mal vieilli de nos jours. Pour juste se dire, ouais, non, mais là, ils disent des trucs, ça passe plus. Genre, je reviens et je mets ça sur le dos de Gundam, mais la façon dont Gundam traite certains personnages, t'es là, tu te dis, ouais, non, mais faut pas faire ça, c'est pas correct aujourd'hui. Ça passe plus, s'il vous plaît. Mais au final, c'est pas forcément la pire chose qui soit. Enfin, moi, je pense que c'est pas la pire chose qui soit. Qu'il en est, qui en ressort, qui, comment on peut dire ça, bien. C'est juste quand même, tu vois, de le pointer un peu du doigt et de dire ouais, c'est lourd, c'est pas très drôle, mais voilà. Donc voilà. Après voilà, ouais, si tu dis comme ça que c'est assumé, tu vois, tu peux faire avec l'humour du truc, pourquoi pas, hein? Après tout. Toujours mieux, honnêtement. Moi, je préférais quand même City Hunter que vraiment Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, au début, il y a des trucs. Enfin, ça peut mettre un petit peu des gens mal à l'aise. Genre, rien que la tenue, par exemple, de Chi-Chi. Soyons honnêtes. La tenue de Chi-Chi, quand elle est gamine, c'est pas un truc que. Enfin, c'est pas. Quand ma collègue a voulu rentrer dans le Hall Geeks, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit ouais, ils ont des bustes vraiment très jolis et tout ça au sous-sol, et qu'on est allé au sous-sol, puis ensuite elle a voulu monter à l'étage et qu'elle est tombée sur du chichi, comme ça, elle m'a fait ça c'est creepy, qui c'est qui achète ça? Bah, j'ai vraiment envie de dire ouais, c'est vrai que t'as raison, chichi là par contre, il y a un problème. Hein. Enfin, il y a un problème. C'est.
Il est pas droit, il est pas droit. Ah, j'ai appuyé dessus. On va faire semblant qu'il est droit. Ça devrait le faire. Il couvre bien. Et franchement, moi je comprends, tu vois, le point de vue de son côté qu'elle trouve ce genre de choses un peu creepy. Et là, tu te dis, ouais, en vrai, fille, t'as pas tort, hein. Mais s'il te plaît, le prends pas du doigt comme ça fait mal. Ça fait mal à la nostalgie. J'ai tenté Machel, je dirais. Je dirais droite, drôle au début, mais ça va devenir répétitif. Machel, ça a l'air d'être le wannabe Hero Academia en regardant juste l'image, en regardant juste une scène qu'on m'a montrée. Parce que je me suis dit, ouais, ça va être genre un truc qui se passe, genre. Je connais pas bien le setting, hein, mais ça a l'air d'être un truc qui se passe dans une école de magie. Et tu me dis si j'ai tort. Avec, bien évidemment, un gars qui va probablement arriver, faire des trucs de fou, alors que, tu vois, t'es pas vraiment. Enfin, le commun des mortels, là-dedans, le standard, c'est pas, tu vois, devenir être capable de faire des trucs de fou. Et la scène que j'ai vue, c'est genre, le gars, il est venu, il a lancé son balai, et il s'est jeté dessus, ou quelque chose comme ça, pour établir un record de balai. J'avais l'impression, tu vois, que je regardais un truc qui essaie de faire du One Punch Man sans être du One Punch Man. Un mec sans magie, ça me fait penser à un autre manga, One Punch Man. Voilà. Moi, ça me fait penser à One Punch Man. Et je vais dire, et ok. Pour être honnête, One Punch Man, c'est un truc que j'apprécie plus vraiment. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je le sorte comme ça. One Punch Man, ça me fait chier. La première saison était absolument folle, celle par Madhouse, et c'était la partie probablement la plus intéressante du manga. Mais depuis qu'ils ont fait l'autre partie avec l'arc, avec les monstres, comme ça, et le fight qui dure depuis, je sais pas, 5 ans, tu perds mais totalement intérêt en fait en la chose, à un point où j'ai même envie de dire, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent, il vaut mieux qu'ils trouvent un moment, qu'ils se disent, ok, on est allé un peu loin, on va se calmer, on va arrêter, parce que ça devient très chiant. Et malheureusement, ils se sont pas. Enfin. C'est pas la faute du dessinateur. Murata, il fait un super bon boulot au niveau de ce qu'il dessine. Ça peut être vraiment très joli. C'est magnifique, même, ce qu'il dessine. Mais. Je sais pas. J'ai des attentes un peu différentes. E17, E18. Et je crois que la magie aussi s'est énormément dissipée. La magie de tout ce qui est One Punch Man et des trucs un peu ridicules comme ça. Parce qu'au début, il y avait quelque chose qui était drôle, il y avait un truc qui était surprenant. Et bah, t'as vu le dernier chapitre là? Bon, sans le spoiler, parce que je sais pas si tout le monde l'a lu, mais qu'est-ce que tu penses en fait du plot qui maintenant, tu vois, évolue vers autre chose? Moi, je pense que tu vois, le plot, il aurait dû évoluer vers autre chose plus vite. On aurait dû arriver à ce moment-là un peu plus vite. Plutôt que d'avoir, tu vois, ce gros arc avec les monstres qui était vraiment un arc sans aucun intérêt. Ouais, alors c'est chiant que ce soit comparé à One Punch Man, mais One Punch Man était devenu, mais vraiment, genre, un peu la parodie du super-héros. Tu vois, donc de lui-même, tu vois, c'est normal qu'il se retrouve propulsé lui-même dans un style parodique et qu'on dise, ouais, c'est une parodie de machin, et machin, c'est une parodie de truc. Le manga et l'anime ont été faits justement pour être vus comme des parodies. Ok, donc Machel, c'est littéralement One Punch Man. Ok. Donc j'avais pas totalement tort. Parce que beaucoup de personnages, moi ça me fait penser à Boku Hero no Academia, que j'aime, hein, je lis le manga, même si là ça devient extrêmement lourd de suivre ça. Beaucoup plus lourd que la guerre ninja dans Naruto. On peut spoiler la guerre ninja de Naruto, ça fait des années maintenant. Comme tu dis, c'est Harry Potter avec Saitama, sans aucun doute. Moi, on m'a montré la scène avec les balais. Donc, s'il y a bien une scène dans Harry Potter, tu vois, le premier film, qui est vraiment inutile, au tout début, c'est la scène avec les balais.
C'est juste pour faire genre, eh, au fait, regardez, on a du Quidditch. Et le Quidditch est juste là pour légitimiser l'existence des balais et juste dire, eh, regardez, c'est des sorciers, ils sont sur des balais. Bon, après, ça, c'est moi qui hate un peu sur Harry Potter en disant ça, parce que, voilà, je n'ai toujours pas reçu ma lettre pour aller à l'école des sorciers, mais. À part ça, ça va. À part ça, je leur en veux pas, hein. Je plaisante. J'en ai rien à battre, en fait, de ça. Je plaisante, vraiment. Mais, le setting, ouais, je sais pas. En une vidéo courte d'une minute, tu vois, j'avais déjà toutes les infos que je voulais pour pouvoir faire un jugement. Ouais, les parodies sont bien si elles deviennent pas trop longues, si elles essaient pas, en fait. Le truc, c'est voilà, il faut que tu assumes que tu es une parodie. Et à partir du moment où tu es une parodie, tu dois en fait continuer à agir comme une parodie. Tu dois continuer à montrer que, ouais, effectivement, tu es vraiment une parodie. T'es pas un truc trop trop sérieux. Et One Punch Man, bah, a essayé de devenir sérieux, a essayé de devenir extrêmement sérieux. Donc ce qui se passe, c'est qu'en devenant extrêmement sérieux, One Punch Man s'est un petit peu légitimisé. Ce qui est pas mal, hein, mais. Le truc, c'est que tu vois, on avait quand même ce contexte parodie qui était sympa. Et c'était ça, en fait, qui faisait tout l'anime, tout le manga, au début, pour moi. Simple fait qu'on ait ce gars vraiment trop fort, qui puisse one punch tout le monde. Et au final, t'es là, tu te dis, ouais, mais il résout pas vraiment des problèmes, il passe, genre, son temps. On peut parler un petit peu de l'arc, des monstres comme ça, sans rentrer trop dans les détails, mais sans vouloir spoiler des trucs, il passe beaucoup de temps sous terre, avec un autre héros. Et ensuite, toi, t'es là, tu te dis, ouais, mais tu pourrais faire des choses et tout. On a rien, en fait, qui se passe vraiment d'intéressant pendant ce moment-là, malheureusement. C'est très, très, très chiant parce que t'es constamment en train de te dire, ok, mais si on voyait un petit peu, genre, le point de vue de, je sais pas, quelqu'un de plus important ou qui a plus de screen time, genre, Genos a tellement plus de screen time que Saitama. Est-ce que ça serait pas peut-être plus intéressant? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à en tirer de beaucoup plus fun? C'est ça qui me rend mais super confus parce que. Ça, je l'ai monté à l'envers, je l'ai monté à l'envers. Senpai, il est. Yeah. Je veux pas passer sous le. Ok. Eh ben, on fait le tour. Mais oui, c'est. Genos a tellement plus de screen time que Saitama que t'es un peu là en train de dire, ouais, non, mais Genos, en fait, c'est le personnage principal. C'est chaud quand même. Ok, et ensuite. Ouais, ça a du sens. Les instructions. Les instructions. Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens, ça, comme ça. Donc, pour les bras, c'est bon, on va pouvoir passer aux jambes, et on dirait que les jambes, on va pouvoir les faire en même temps. Bon, je vais juste libérer un petit peu de place, toi, on n'a plus besoin de toi. Et regarder un petit peu à l'arrière. Ouais, ok, les jambes, ça va être assez straightforward. Ça va le faire. Ok. Le dieu sur la lune. Donc oui, le dieu sur la lune, tu vois, c'est quelque chose qui a été introduit, qui sera probablement expliqué très longtemps plus tard. Et c'est bien qu'ils veulent genre faire du world building ou quelque chose pour pouvoir l'expliquer un petit peu plus tard. Je comprends. Beaucoup d'animés font ça même sans que nous on le sache. Genre, Shingeki no Kyojin a fait ça. Mais. Faut juste, en fait, tu vois, qu'on reste suffisamment accroché à la chose pour pouvoir se dire, ouais, finalement, ça vaut le coup. J'ai été là tout le long, ça en valait la peine, tu vois. Naruto, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça beaucoup moins.
Parce que Itachi, je refuse de croire que Itachi, au tout début, il était en mode, ouais, je vais quitter le village pour aller faire mes trucs de mon côté. Moi, je pense que, ouais, le plot n'était pas nécessairement pensé pour ça. Pour ensuite faire ce délire qu'il y a eu avec Danzo, qui a un bras avec vraiment beaucoup trop de Sharingan, faut l'avouer. Il y a un moment où le ridicule tue, et le ridicule a beaucoup tué à ce moment-là. Mais on avait quand même voilà, quelque chose où on se disait, ok, Tobi et tout ça, qui finalement est Obito, ça a du sens. Parce qu'on le montre qu'avec un œil et tout, et on peut faire le rapprochement avec Kakashi. Naruto c'était bien, Naruto c'était vraiment très bien. Peu importe à quel point je dirais par la suite sans doute que Naruto c'était de la merde ou que je suis pas content avec la direction dans laquelle Naruto est allé. Naruto c'était quand même très bien et je le lisais toutes les semaines et voilà. Mais je dirais quand même du mal de Naruto par la suite parce que j'ai envie de dire du mal de Naruto. Voilà. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc, le long passe sur le côté plat, c'est ça. Il faut voir aussi où est-ce que ça va mener avec ce fameux dieu sur la lune. Parce qu'on appelle ça le dieu sur la lune en faisant juste référence à un personnage comme ça, qui a réagi par rapport à ça, mais qu'est-ce que c'est réellement, quoi? Puis, bon, il y a aussi eu ce qui s'est passé lors du combat avec Garo. Mais c'est un peu chiant aussi le fait que Saitama, par exemple, ne se rende pas compte de ce qu'il fait, de temps en temps. Et juste le simple fait d'être là en mode, il est juste là et il gagne, c'est un peu ridicule et en même temps ça devient fatigant. Alors que d'autres personnages sont beaucoup plus intéressants. Mais bon, ne parlons plus de One Punch Man, je préférerais parler d'autre chose parce que pas grand-chose à dire sur One Punch Man en dehors de ça. Dans les trucs là où y a des mangas, des animés et aussi des trucs basés sur des light novels que j'ai regardé, que j'aurais eu envie de voir un petit peu une suite, mais en même temps, genre une saison 3, c'était une saison de trop. Par exemple, je pense à des trucs avec du world building très intéressant comme Sakugan no Shana, ou éventuellement l'univers de Index, avec toi le Majutsu no Index, toi le Kagaku no Railgun, et aussi le spin-off avec Accelerator qui, au final, ouvre une garderie. Qu'on ne me dise pas le contraire, Accelerator c'est littéralement pour faire garderie. Je pense que ces univers sont très intéressants, faut juste voir comment quoi est représenté. C'est aussi ça qui est probablement un petit peu dommage, c'est la dernière saison de Index, je crois, qui est un petit peu censurée par rapport à ce qui se passe, notamment avec l'autre là, qui pète un câble, j'ai oublié son nom. Celle qui peut tirer des rayons de plasma, Meltdowner. Je vais utiliser l'autre pince juste pour réduire un peu la taille des grappes. Ouais, non, mais en fait, je pourrais juste la couper comme ça, celle-là. Voilà, on réduit un peu la taille comme ça. Ça devient juste un peu plus utilisable par la suite. Ouais, donc les 3-4 versions là, qui sont un peu en parallèle, mais pas totalement, parce que les histoires sont un peu les mêmes, mais pas totalement. C'est un choix un petit peu spécial, mais en même temps, ça me fait un peu penser à tout ce qui est Fate, Nasu Versae et tout ça, où on essaie de faire un gros univers, probablement bien aussi, hein, je suis pas en train de reprocher ça du tout, mais on essaie peut-être de le faire d'une façon un petit peu fragile.
un petit peu penser pour en faire. Et pas faire nécessairement quelque chose de super cohérent tout le temps. Parce que les événements, oui, c'est censé être un petit peu les mêmes, par exemple, tout ce qui se passe avec les Sisters. Mais plus on regarde de spin-off, plus on a l'impression que les choses sont différentes. Et, ou alors qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes. 8, il est en haut. L'arc avec les Sisters, quand même, est assez intéressant, assez glauque. C'est vraiment le moment où on est là en train de voir d'autres personnages beaucoup plus intéressants que Camijo Thoma, qui est sans aucun doute le personnage le moins intéressant de tout Index. Parce que, enfin, honnêtement, le gars qui vient, qui a totalement perdu la mémoire, c'est pas exactement un gimmick fun de base. Beaucoup de monde vont sans doute apprécier ça et pointeront du doigt même des jeux comme The Witcher où on joue un personnage amnésique. Sauf que dans The Witcher, c'est vraiment pour qu'on puisse venir et jouer un nouveau personnage avec lequel on va lui faire faire des choix, et pas forcément appliquer la moralité de Geralt et tout ça, ou même les habitudes, ou forcer quoi que ce soit sur le joueur. Mais dans le cas, tu vois, d'un animé comme par exemple Index, le gars, il aimait vraiment. Il redevient vraiment en mode vas-y, je suis une disquette vierge, j'ai jamais utilisé. Jamais été utilisé. Ouais, effectivement, en fait, c'est dans sa narration, dans le fonctionnement, le gameplay, le design, d'avoir plusieurs narrations différentes. Mais le truc, c'est que là où ça fonctionne mieux avec Fate, vraiment en mettant le côté light novel, visual novel de côté, c'est que les routes restent quand même très cohérentes avec ce qu'on cherche à faire. Et donc, le Fate Stay Night de Ravensfield sera différent de Unlimited Blade Works, mais pour les bonnes raisons, et il y aura quand même quelque chose qui sera vraiment contenu dans une timeline comme ça, d'une façon claire. Avec Index, Railgun et Accelerator, il se passe tellement de choses en parallèle que tu es un peu là en train de te demander comment est-ce que ça se passe pour que la femme, là, dans Anti-Skill, soit toujours au bon endroit, au bon moment. Et comment ça se fait qu'elle survit aussi autant? Parce que Anti-Skill, déjà, c'est pas désespère, et ensuite, ils ont un peu des moyens. Enfin, ils ont des guns, c'est tout ce qu'ils ont. Et ils peuvent rien faire d'autre. Alors que tu as tous ces groupes. J'ai dit groupe. Pour ceux qui comprennent, vous savez que groupe, c'est quelque chose. Il y a tous ces groupes, il y a tous ces trucs qui sont en train de manigancer, qui ont un endgame, qui ont envie de faire quelque chose avec la cité. On a Aleister Crowley qui fait des trucs un peu bizarres dans son bocal, probablement rempli de pisse au point où on en est, parce que je veux dire, d'accord, c'est jaune, mais c'est pas du LCL, c'est certainement autre chose. Et on a aussi nos personnages principaux, donc Misaka, on a Camijo Thoma, on a Accelerator, qui font leur truc de leur côté. De temps en temps, on a l'impression que toute l'académie est en train de se faire détruire parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire passer un personnage level 6. Donc c'est vrai que c'est très difficile de venir te faire coller tout ça, alors qu'au moins, avec Fate. Bah, l'univers, il reste quand même très cohérent parce que bah, il y a quand même un petit peu genre le setting qui suit des règles. Et les règles ne sont pas en train de changer constamment. Parce que venir faire des level 6, ils sont un peu là en train de se dire, ouais, Accelerator, il faut que tu tues un certain nombre de sisters. Et toi, tu es là, tu te dis, ok, d'accord, mais est-ce que ça va vraiment le faire évoluer, ça? Est-ce que la théorie fonctionne vraiment? Et ensuite, ils se rendent compte que non, la théorie, elle ne fonctionne pas. Donc, ok, on va venir, on va changer les règles. En sachant que Railgun détruit le supercomputer qui est là pour venir faire les calculs pour te dire des choses. Donc, Free Trigram qui est aussi utilisé pour la météo, rappelons-le. On utilise un ordinateur pour prédire la météo dans le monde de Index. Ouais, j'ai l'impression que le plastique. Ah, mais j'ai même pas nettoyé la grappe ici en fait, je suis un abruti. Je suis un abruti. Et on a quand même l'impression que l'univers, voilà, il essaie de montrer, tu vois, plus de choses que ce qu'il a. Et du coup, il va se contredire à certains moments. Ou alors, il va y avoir des trucs, genre des level 5, qui sont sans aucun intérêt. Genre la Misaki, là, avec sa télécommande, qui peut absolument rien faire à Misaka. Tu cringes un peu à chaque fois qu'elle est à l'écran. Parce qu'elle est un peu sans intérêt, ce personnage. Ah! Grince pas.
Il y a un spa. Enfin bon. C'est quand même sympa de voir un petit peu l'aspect genre magie versus science, parce que ça, c'est quand même les bons points de venir, de se retrouver avec des personnages qui ont vraiment grave la classe. Genre par exemple, parlons 5 minutes de Steel Magnus. D'accord? Même s'il est censé avoir 15 ans et qu'il devrait pas être en train de fumer une cigarette comme ça, il est classe. Oui, après elle est juste level 5 parce qu'elle a pas de counter. Seul counter, c'est la mort. Mais bon, pas de soucis. Reviens plus tard si tu veux. On continuera, on parlera d'autres choses. Même si je pense que j'aurai fini dans une petite heure. En vrai, je devrais juste le redémonter ça. Pour mieux le. Pour mieux le reprendre. Je vais le démonter. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard que je l'avais mal monté. Je suis vraiment un bouffon. Il y a quoi d'autre aussi avec un gros univers comme ça? Il y a Baccano et Durala qui ont un univers qui est le même, techniquement. Univers d'ailleurs très intéressant à mon avis. J'aime bien l'univers en fait de Durala où il se passe des trucs. Là, il se passe des trucs en parallèle, mais il se passe des trucs en parallèle qui sont plutôt cohérents dans une timeline. C'est juste que on les suit à des rythmes différents, à des points de vue différents. Et c'est ça, en fait, qui rend la chose intéressante. Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Et même si on est là à venir à avoir un point de vue un petit peu, genre, ce que je reproche, par exemple, aux productions Netflix, comme The Witcher et tout ça, avoir un point de vue un peu fouillis dans tous les sens, on se retrouve quand même à avoir quelque chose de cohérent à la fin. Et le endgame paye totalement. Genre Durala, c'est genre deux ou trois histoires en continu par saison qui sont un peu dans leur sens, dans tous les sens au début, et ensuite ça s'éclaircit, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, on est là en train de se dire ok, là ça se rejoint comme ça, machin ces trucs, en fait la personne qu'on cherchait, elle était là depuis toujours. Même si ça, le gimmick de la personne qu'on cherchait, elle était là depuis toujours, c'est un peu chiant aussi. Faut l'avouer. Ça a quand même son charme, ça a même beaucoup de charme, je trouve. Durala, c'est très très intéressant. World building, vraiment unique. J'aimerais d'ailleurs me le revoir, j'aimerais aussi revoir probablement Baccano, parce que ça peut être sympa. Baccano l'avait fait d'une façon un petit peu plus simple, on suivait vraiment genre deux histoires en gros. Mais on avait quand même 3 ou 4 points de vue. Et c'était quand même un petit peu plus brouillon, Baccano. Donc, continuons le pied. Faisons les pieds bien cette fois. Donc, est-ce que j'ai nettoyé toutes les. Ouais, je les ai nettoyées. Non, pas toutes. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des univers un peu bien foutus. Parce que, ouais, on peut parler un peu de Fate. Alors, Fate, un des trucs qui m'attire pas, c'est effectivement toutes les timelines, tous les trucs, les spin-offs, tout ce qui est en univers, mais un peu séparé, les routes différentes. Mais j'aime beaucoup Kara no Kyokai, qui est dans l'univers d'une Inazuma-Eversu avec Ryo Gishiki, qui peut voir les lignes de la mort, ce genre de choses. Et qui peut totalement utiliser ça pour tuer des fantômes et des trucs immatériels, ou même carrément des trucs matériels comme le verrou dans un placard. Oui, elle tue un verrou. C'est un concept un peu bizarre de tuer un verrou, mais ça fonctionne, donc comme on dit, ta gueule c'est magique. Sauf que non, pas ta gueule c'est magique, c'est même plus compliqué que ça, je pense. C'est comme ça qu'on fait pour le pied. Mais je trouve ça quand même très rafraîchissant, Kara no Kyokai qui se passe en plus aux alentours des années 98, entre 95 et 98, je crois.
Donc je trouve ça assez intéressant comme monde, comme univers. Et j'aime beaucoup en fait le setting. E6 et 7. Trouver. Et en plus, on ne nous impose pas de connaître l'univers de Fate, alors que c'est le même univers. Tout comme avec Tsukihime, sans aucun doute. Même si Tsukihime m'intéresse beaucoup moins. Je sais pas si vous avez un peu d'expérience avec des trucs en dehors de Fate. Azu, je pense que toi, tu as certainement d'expérience avec ça, parce que tu es un gros weeb. Et oui, je viens juste de te faire faire ton coming out de Weebness. Pas que c'était un truc que tu voulais sans doute cacher, mais on va voir. Hein. Toi, t'as regardé quoi? Ou lu quoi? Parce que toi, en plus, tu lis des trucs. Ok, c'est bien ça, ça s'enfoncera pas plus. Voilà, et on a besoin de A32. A32 qui est là-haut, qui sont là-haut. Parce que c'est les deux mêmes. Hachimar. Vraiment hâte de voir comment ça se transforme. Ah, je les ai peut-être coupés un peu trop près. Ouais, on dirait que je les ai coupés un petit peu trop près là. Il semble que dans mon élan, j'ai coupé ça trop près. Tout va bien en fait, ça va, c'est pas coupé trop trop près. Là encore une fois, d'ailleurs, j'ai pas encore mangé, donc si vous entendez mon ventre, je suis désolé. J'aurais dû manger, j'aurais dû grignoter un truc, en vrai. Mais j'ai pas grignoté du tout. Je me suis couché assez tard, je me suis levé assez tard. J'aurais pas dû flemmarder comme ça au lit. J'étais en train de lire des trucs, d'ailleurs assez intéressants. Genre les prochains iPhones devraient avoir carrément un port Thunderbolt. Et on devrait pouvoir docker genre les iPhones pour pouvoir utiliser clavier, écran, souris. Et franchement, ça, croyez-moi. S'ils sont capables de faire ça, ils vont réussir là où le Ubuntu Phone a échoué. Et ça pourrait être très intéressant, ça pourrait changer beaucoup de choses. Même si, soyons honnêtes, ça reste quand même un iPhone.
Mais j'ai bien envie de voir en fait comment Apple pourrait s'y prendre avec ça. Parce que ils ont toujours une façon assez unique de s'y prendre avec leur hardware et tout. Que honnêtement, s'il y a quelqu'un qui peut le réussir, je vais pas dire que c'est eux, mais ils vont sans aucun doute, à mon avis, réussir à faire quelque chose de très intéressant et probablement définir quelques standards dans l'industrie. Parce que ça fait des années qu'on est un petit peu là en train d'essayer de voir si on peut genre avoir des téléphones qu'on peut transformer en PC complet, quoi. Avoir une vraie expérience, genre on vient, on pose le téléphone sur un dock, et le téléphone, bah ça devient le PC. Genre très littéralement venir attraper son téléphone et avoir toute notre vie dessus, mais en mode. C'est notre téléphone, c'est notre PC, notre tablette, notre truc pour regarder des séries, notre carte d'identité, notre clé pour la voiture. C'est déjà un peu le cas selon les voitures qu'on a. Mais vraiment, genre, rendre ça encore plus important, encore plus universel. J'ai vraiment, vraiment envie de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Donc, on a besoin de 30 pour le. Ouais, 30, 31, donc 31 pour la pointe des pieds. On va commencer avec la pointe des pieds. Moi, ça me passionnerait d'ailleurs d'avoir un device un peu comme ça en train de me dire, ouais, tu peux venir le brancher, et puis tu vois, il y a une partie de ta vie qui est synchronisée comme ça. J'aime beaucoup en fait le concept des docking stations, donc les laptops que vous pouvez genre venir brancher, soit vous les raquez sur une petite station et ça devient vous le connectez à autre chose, soit vous le branchez en USB-C et vous avez votre clavier, votre souris, votre écran qui est branché dessus et vous pouvez genre continuer à faire des choses dessus. C'est ce que j'utilise au boulot pour avoir un deuxième écran, pour avoir un vrai clavier, pour avoir une vraie souris. D'ailleurs, j'apporte une souris, une Logitech G502, parce que j'ai une deuxième G502 qui commençait à double-cliquer un petit peu. Donc j'ai remplacé ma souris principale et je me suis dit, celle-là, ça sera ma souris laptop. Pur plaisir, hein, un absolu pur plaisir, hein. Donc faut voir. Mais là, en vrai, en ce moment, j'ai l'impression que tout ce qui est hardware informatique est de moins en moins excitant. Donc c'est peut-être pour ça que je suis hypé par un truc bizarre que Apple va essayer de faire. Parce que s'il y a quelqu'un qui va pouvoir setup un standard, ça risque d'être eux. Et c'est un peu triste de dire que c'est eux qui vont setup un peu le standard pour ce genre de choses. Ceci dit, les docking stations, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois énormément par rapport à tout ce qui est laptop et tout. Tout ce qui est mobile en fait. Parce que le mobile c'est sympa, mais quand on est chez soi, on n'est plus mobile, on est chez soi. C'est pour ça que je dirais toujours, si vous êtes chez vous, utilisez un câble Ethernet pour votre connexion Internet et arrêtez de trouver des excuses sur pourquoi vous ne pouvez pas. Genre, oh, un câble c'est trop chiant, il faut le tirer. Ouais, une fois qu'il est tiré, le câble, il est tiré, il y est. Et vous profitez très très bien d'une bonne vitesse de connexion sur votre réseau, et dans certains cas, vous pouvez même profiter à 100% de votre connexion Internet si vous avez la fibre optique, il y a tout. Ouais, cet opening. Lovina est tellement culte que tout le monde devrait avoir vu Lovina, peu importe que vous aimez ou pas. Le ecchi et le fan service. Ouais, non, mais. Dis-le, c'est pas grave, hein. Tu sais, moi j'avais commencé à regarder Ranma 1/2 quand j'étais plus jeune que ça, parce que ça passait à la télé. Sailor Moon aussi, hein, c'est un truc que j'en regardais avant le CM2. J'ai regardé peut-être, tu vois, la première et la deuxième saison.
C'est vrai que tu vois, si on vient et qu'on pense un petit peu au contenu, fan service et tout ça, on se dit ouais, c'est pas fou, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment si terrible que ça? Aujourd'hui, en vrai, est-ce que tu vois, tu ferais les choses différemment en te disant ouais, j'ai regardé un truc qui avait du fan service comme Ranma 1/2 quand j'étais petit? Moi, honnêtement, non, parce que tu vois, même Évangélion que j'ai regardé quand j'étais encore en primaire. Je me dirais pas, tu vois, je ferais les choses différemment. Bon, ok, ça m'a probablement un petit peu traumatisé. Il y a des scènes que j'avais pas trop compris quand j'étais petit, notamment celle avec le yaourt, qui n'était pas du yaourt, et je savais pas d'où ça venait. Mais c'est pas grave, on était tous un peu innocents à un moment. Mais voilà, quoi, tu viens, tu te poses pas trop de questions. Même Lupin, par exemple, qui passait sur AB1 et que je regardais quand j'étais au primaire, j'étais un petit peu là en train de me demander, mais ok, pourquoi est-ce qu'ils sont tous à poil? Parce qu'ils ont un épisode. Dans un camp nudiste, qui est probablement pas un épisode très passionnant, soyons honnêtes, mais ça existe, c'est là, et est-ce qu'on devrait vraiment avoir honte que ça existe? Je veux dire, tant que c'est pas un truc créé pour le cringe, ça va. Mais tous ces trucs, comme par exemple, voilà, Ranma, Lovina, tous ces trucs très très fan service, je ne les échangerai pour rien au monde. J'ai pas honte. Je suis conscient que c'est peut-être pas le genre de choses qu'on aurait dû regarder quand on était jeune, mais écoute, des choses se sont passées, on les a regardées, et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va, Pagui? Ça va, quoi de beau? Tu tombes bien, on parle de fan service, de Lovina et de d'autres trucs. Comme par exemple Ranma 1/2 et tout. Est-ce que tu échangerais le fan service que tu regardais quand tu étais petit, genre Ranma 1/2, Sailor Moon, les trucs qui pouvaient être un petit peu etchy, pour autre chose et te refaire une jeunesse, ou est-ce que tu accepterais ce genre de choses? E2, E3. Ouais, en fait, c'est cette partie-là. Puis d'ailleurs, maintenant que j'y pense, le manga de Lovina est quand même bien pire que l'animé, niveau fanservice. Genre, il y a des choses dedans. C'est pas nécessairement du tout love ru, mais presque. Selon comment on regarde ça. Mais ouais, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi qui a vraiment marqué mon enfance? Est-ce que j'avais dit Évangélion? Que j'avais regardé quand j'étais en primaire. On a des trucs un peu plus innocents aussi, hein, genre Cowboy Bebop, hein. Parlons aussi de Cowboy Bebop. Bon, on en parle trop souvent, parce que c'est un truc qui est vraiment mais super culte. Quelqu'un qui n'a pas vu Cowboy Bebop, c'est quelqu'un qui a besoin de se refaire une culture là maintenant de suite. Et je parle de l'animé, bien évidemment. Ne me tentez pas avec le Netflix. Le Netflix n'existe pas, c'est une bonne chose qu'ils l'ont cancel. OMG, qui a pensé que ça pourrait être une bonne idée? Et voilà, Cowboy Bebop, c'est un truc qui était probablement pas, on va dire, aussi accessible, parce que c'est sorti peut-être au moment où les chaînes de télé diffusaient un petit peu moins de mangas. Et du coup, il fallait aller voir ça, genre sur Game One, je crois. Mais ouais, ce genre de choses, Cowboy Bebop. Je me rappelle avoir regardé ça un petit peu sur Game One quand j'étais en primaire. Il fallait par contre rester levé tard, mes parents ils voulaient pas trop, donc j'ai vu que quelques épisodes à l'époque, à mon plus grand regret. Mais après ça, ça m'a pas empêché de me rattraper. Et au contraire, j'ai beaucoup aimé, j'ai pu continuer à regarder. Une bonne partie de Cowboy Bebop par la suite. Et en VO en plus, hein. Pouvoir le regarder en VO, c'était génial.
Parce que je crois que sur CanalSat, on pouvait pas passer Cowboy Bebop en VO. Je me rappelle plus très bien. On avait CanalSat, ça je m'en rappelle. Et je me rappelle que sur certaines chaînes avec les films, là, les genres de chaînes science-fiction, on pouvait changer la langue. Je suis en train de foirer quelque chose, c'est ça? Ouais, je suis en train de foirer quelque chose, hein. Ouais, c'était ça. J'étais en train de foirer quelque chose. Mais ouais, l'exposition au manga, en fait, et aux animés était quand même assez intéressante à cette époque. C'était assez difficile de pouvoir regarder des trucs. Mais quand on pouvait regarder des trucs, on les regardait. Et quoi? Il y a GTO aussi, GTO, pas un petit peu de GTO, hein, mais il y a un petit peu genre des passages en GTO où on est là en train de se dire, ok, d'accord, ça c'est peut-être pas un truc que tu devrais montrer à la télé. Genre quand ils vont pour ils vont punir les filles qui sont en train de bully un gars et qui prennent des photos. Ceux qui savent, vous savez à quelle scène je fais référence. C'est un truc, je pense pas qu'on pourrait. Ça passerait moins bien, au moins. Si ce n'est plus du tout. Peut-être que voilà, il y a des gens qui seraient en train de venir et de dénoncer ça, en train de dire oui, mais ça encourage ce genre de comportement. Je sais pas si vous avez vu GTO en entier. Ou lu GTO, hein. Lire GTO aussi, c'était une très bonne option. L'art était vraiment magnifique. J'ai passé un excellent moment à lire GTO. Pourquoi est-ce que ça sonne là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une cloche? Je sais pas pourquoi ça sonne, mais il y a des trucs qui sonnent. Ben justement, j'ai parlé de Lupin. J'ai notamment parlé de l'épisode qui avait été diffusé sur AB1 où ça se passait dans un camp naturiste. Surprise, camp naturiste, Lupin. Parlez-moi d'un duo encore plus iconique que ça. Ok, à partir de là, on est sur des pièces qui sont un peu plus uniques pour les côtés. Donc, on va mettre ça de côté et on va commencer. 31, 30. Mais ouais, Lupin, c'était très très etchi. Et on a un peu parlé aussi tout à l'heure de City Hunter qui faisait des trucs. Des blagues. C'était Mikiri qui en parlait. Blagues un petit peu lourdes, tous les épisodes. Et je peux comprendre. Cutie Honey, j'ai vu peut-être un épisode ou deux, très vite fait, mais j'ai une petite idée de ce à quoi tu fais référence. Mais bon, c'est des trucs. On a besoin que ça existe, hein. Ça setup des standards, ça setup des trucs, c'est culte. Il le faut. Ouais, je sais vraiment pas pourquoi il y a une cloche qui sonne en continu comme ça, il n'y a pas le feu pourtant. Et je vis pas dans un village. Ça devient très chiant. Ok, donc on passe le polycap à travers ici. Ça sera le joint pour la jambe, j'en suis certain. Et on passe cette partie ici par-dessus. Parce que vas-y Régis, dis-nous ce que tu regardais durant ton enfance à la télé. Probablement que toi tu regardais des trucs un peu différents à cause du contexte dans lequel tu étais. Si tu as envie d'en parler.
Et on a besoin de E35, E36. Parce que je sais pas exactement ce qu'il y avait, tu vois, de ton côté à la télé que tu pouvais regarder ou si tu as regardé beaucoup de choses. Vu que tu m'avais dit que c'était genre ta grande sœur qui t'avait un peu initié à tout ça, les mangas, les animés. Et oui, c'est ça, je fais sortir les gens du placard avec leur Weebly. Moi, dans mon cas, je me suis fait une culture tout seul. De toute façon, mes frères, même si mon premier frère, je suis l'aîné au passage, même si mon premier frère, genre, lisait un petit peu des mangas, en regardait un petit peu peut-être des animés, il a jamais été aussi à fond que moi là-dedans. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Je sais juste que celui qui a le plus de mangas, c'est moi, et celui qui a le plus de culture là-dedans, c'est moi, dans la famille. Mais bon, après, je suis le seul qui s'y est vraiment intéressé comme ça à fond. Alors que lui, pourtant, il a eu droit à des cours de japonais dans son cursus scolaire. Il a eu de la chance. Une chance qu'il n'a pas saisie. Une chance qu'il a totalement laissée de côté. Et moi, pendant ce temps-là, pas un seul cours, mais par contre, t'en fais pas. Je peux venir et demander un petit peu où se trouve mon Shinkansen à un employé de la gare, sans trop de difficultés, parce que j'ai fait les efforts. Où est-ce que j'ai mis le display? J'ai mis le display ici. Mais voyons voir. Ouais. Après, il y avait quoi d'autre aussi durant les années 90 ou même. Ouais, durant les années 90 qui passait à la télé. Patte Labor? Je me rappelle qu'il y avait Patte Labor qui passait. Première fois que j'ai été exposé à des gros robots géants. Donc, Patte Labor aussi, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que. C'est sans aucun doute quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de notre monde à nous, sans partir vraiment trop dans la science-fiction ou même de la fantasy. Mais Patte Labor, c'était quand même quelque chose d'assez unique. J'en parle un petit peu comme ça parce que j'ai fini de lire le manga, que les gens étaient en train de faire des scans, parce que malheureusement, il faut dire la vérité, s'il est plus édité. En France, je crois même qu'ils ont arrêté avant la fin de tous les tomes. Bah, nous, on manque un petit peu quelque chose. Et Patte Labor était quand même très très intéressant pour ce qu'il avait à montrer, pour ce qu'il. Enfin, l'univers de Patte Labor qui était littéralement. Eh, regardez, on va créer des îles artificielles pour pouvoir étendre un petit peu la Terre à certains endroits. Donc là, par exemple, au Japon. Donc le projet Babylone, comme il l'appelait. Et moi j'ai trouvé ça, le concept très intéressant aujourd'hui, parce que si on regarde au Japon, à Tokyo, on a Odaiba, qui est une île artificielle. Et c'est vraiment juste très cool en fait. Mais le manga, du coup, est très intéressant, même si en fait, il est vraiment centré autour d'un arc qui de temps en temps est mis en pause. C'est un petit peu le vieux style, où on est là à se dire, ok, ça a été écrit à une autre époque, et ça se sent. Un autre truc aussi qui m'avait vraiment beaucoup choqué, enfin choqué, pas tellement choqué en mal, hein, mais c'est genre, au début du manga, quand il parle de l'Allemagne, en fait, il parle de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, parce que c'était encore, à l'époque, on va dire, pertinent. L'époque où ça a été écrit. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que c'est une époque, qu'on n'a pas vraiment tous vécue. Et juste voir, en fait, ça mentionné. C'est genre, waouh, ok, d'accord. Ça a été écrit à une autre époque, c'est vraiment une relique, ce manga. Et moi, je trouvais ça vraiment très intéressant de lire ça comme ça et de voir un petit peu comment, bah, par exemple, le contexte politique pouvait un petit peu, on va dire, affecter le manga dans son contenu, ou éventuellement ce à quoi on peut s'attendre dans le contenu du manga.
Parce que quand on vient et qu'on entend parler de trucs, de vieux pays qui n'existent plus, de vieilles républiques qui ont été split, c'est assez intéressant. Enfin, des trucs qui, par exemple, mentionnent un petit peu la guerre froide, parce qu'elle était en cours au moment où c'était écrit, seront toujours des. Ça sera toujours un moment beaucoup plus historique que ce qu'on pensait que ça le serait, alors que c'est censé être du divertissement. Le simple fait de venir et de mentionner les événements de tous les jours. À ce moment-là, ça laisse une trace en fait. Comme par exemple, il y a ce manga que je lisais là qui a fait une vingtaine de chapitres, qui a jamais été designé pour être trop long, qui s'appelle Telework Yotabashi. J'en ai parlé au stream précédent ou le stream d'avant. Le genre de manga romance, vraiment romance en mode facile, comme je dis, vraiment sympa, très très agréable en réalité. Bah, ils sont là constamment lorsqu'ils sont dehors à porter des masques parce que ça a été écrit en prenant en compte le contexte sanitaire du moment avec le Covid. Et c'est très intéressant de les voir comme ça, continuellement porter des masques dès qu'ils mettent les pieds dehors, des trucs comme ça. Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le truc du moment. Un peu plus que par exemple le manga où les gens vivent tous avec la bouche et le nez couverts parce que bah ils sont y a un vrai virus qui se balade, qui est une grosse menace apparemment pour la civilisation. C'est un manga qui est totalement surfé sur l'idée du Covid mais en pire. Au point où les magazines pour adultes dans cet univers, c'est des magazines où les personnages découvrent leur bouche. Et montrer sa bouche, c'est limite un acte indécent. J'ai oublié comment ça s'appelait. Ça partait d'une façon assez intéressante, mais je ne l'ai pas continué. Parce que c'était quand même très chiant, faut l'avouer. Et donc lui, alors on met ça comme ça, on met ça comme ça. Ça se clip, c'est ça. Ensuite, A15. Trouvais ça juste quand même original, mais chiant. Telework Yotabashi, par contre, c'était juste sympa, et puis le simple fait de voir les gens porter des masques en extérieur comme ça montre juste que ça a été écrit à une certaine époque, et pour moi, ça fait juste partie de l'histoire. Parce que je veux que les mangas soient. Voilà. Toi aussi, t'as oublié le nom, mais t'as lu trois chapitres, c'est ça. On a fait la même. On a lu trois chapitres, puis on a oublié que ça existait, parce qu'en réalité, c'était pas fou. Mais en plus, ils avaient ce masque un peu stylisé pour genre le détacher sur le dessous et pouvoir manger quand même dessous tout en le gardant. Donc les choses étaient quand même un petit peu plus extrêmes à ce moment-là. Puis en fait, c'est. Enfin. Je pense qu'en fait, t'as lu les trois premiers chapitres aussi, parce que je viens de me rappeler d'un truc, mais au bout du troisième chapitre, tu as genre un espèce de triangle amoureux à la con là qui commence à se set up avec une fille qui espionne les deux personnages principaux qui sont en train de montrer leur visage à découvert à l'école, sur le toit de l'école, parce que oui, c'est le nouveau truc que les jeunes font. Ils montrent leur bouche, leur nez. Ils découvrent le tout. Je sais, c'est lewd. Please don't ban me Twitch. J'espère que. Mais bon, ça a existé, c'est un truc. Faut faire avec. Ok, et on doit le monter alors comme ça, comme ça. Ok, on monte ça comme ça, on le monte jusque là. J'ai comme l'impression que non, c'est pas. Oui, non, c'est ça. L'articulation est bonne. Ok, et on a besoin du A18 qui va aller sur le côté A18. 18. Vas-y là, 18. Voilà.
Allez, on fait ça bien, super bien, voilà. Très très bien. Et on met ça ici, sur celui-là. Non, pas sur celui-là, comme ça. Ok, d'accord. Donc, on a fini cette page-là. On va juste un petit peu, genre, parce que là, à l'écran, ça fait un peu pixel mort, tout ça. René Mickey, t'as pas manqué grand-chose. Donc, là, ça fait un peu des pixel morts avec toutes ces couleurs qu'il y a sur le papier. Un petit peu genre nettoyer tout ça. Voilà, et on a juste besoin en fait de cette toute dernière page. On n'a même pas de page couleur. Oui, on a une page couleur. Mais la page couleur, elle n'est pas très importante. C'est pour les transformations, donc on gardera ça. Et on est sur la toute dernière page du stream. Donc ça devrait le faire. Si je ne fais pas preuve d'une incompétence hors norme. Donc, on a ça. On va quand même garder les parties importantes ici. Donc, on va repartir sur du E24, E21. Et oui, bientôt fini le HMR. On est vraiment sur la toute fin de la première jambe. Ça va aller. Ok, et on veut placer ça comme ça. Donc lui, c'est lequel? C'est lui qu'on veut placer à l'arrière comme ça. Il y a une petite partie ici que j'aimerais colorer aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va. Panel line, ce truc comme ça, un petit peu à la va-vite. Voilà. Le laisser sécher un tout petit peu. Comme ça, ensuite, on va pouvoir le combiner. On a besoin de A10. Donc, A10, on commence déjà avec les grosses parties comme ça pour les jambes. Parce que Hachimar, il a des jambes, elles sont un peu thick. Voilà, on a vu A10. On a besoin de A1. On a besoin de A2.
Et ensuite, de l'autre côté, on aura besoin de A11 et E26. Donc on peut déjà combiner A11 et E26. Et ouais, ça avance très bien. Ça le fait, c'est cool. Ensuite, on va nettoyer un peu le panel lining. Il faut pas oublier de couper ça. Donc ça c'est bon, on découpe ça parce qu'on doit le combiner. Puis on découpe rapidement. Genre comme ça. Ouais, genre comme ça. Ça le fait. Ok. Donc, on avait dit qu'on allait un petit peu colorer ça. Donc ça c'est bien parce qu'on va juste repasser dessus très légèrement sur la pièce ici. Voilà, c'est bien, c'est propre comme ça. Ok. Ça fait pas forcément beaucoup de détails, mais le simple fait d'en ajouter un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. Moi, ça me plaît. Donc, on nettoie un petit peu les autres pièces. Suis en train de réfléchir à ce que je mangerai après le stream, mais vu l'heure qu'il est, je sais pas si ça peut être une bonne idée de sortir et d'attraper un truc à manger ou de me faire un truc ici. En vrai, j'ai envie d'un truc un peu fat, mais trop fat, c'est pas une bonne idée. Sushi, ça pourrait être pas mal, mais j'ai pas de bon magasin, enfin de bon restaurant à sushi ici dans le coin. Il faudrait que je sorte et que je prenne les transports pour ça. C'est vrai que ça fait longtemps. Je crois qu'en plus, le sushi près de chez moi, il est fermé en week-end. Donc, faut voir. Si par exemple, Régis, tu pouvais commander des sushis, tu prendrais quoi comme sushi? Vas-y, expose-nous tes goûts et tes préférences.
Ok, ça c'est fait parce que ça va aller avec ça. Ça je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Il faut faire celui-là. Nigiri principalement, ouais. Moi j'aime bien les makis. J'ai en fait plus une préférence pour les makis ici en France parce que malheureusement c'est pas toujours on va dire j'aime pas comment le poisson en fait reste exposé à l'air des fois comme ça. Je trouve que s'il prend trop l'air, j'aime pas le poisson dessus. Donc le simple fait qu'il soit en makis, tu vois, est un peu plus. J'ai l'impression, tu vois, qu'il est moins exposé à l'air et du coup. Il a un bien meilleur goût. Ah oui, d'accord. Uramaki, carrément. Donc, on est d'accord que quand tu dis Uramaki, tu parles pas des Californiens, mais tu parles bien de ceux avec vraiment le nori à l'intérieur, pas d'avocat. Ça aussi, ça me manque énormément, les conveyor belt sushi du Japon. Où on pouvait juste mais avoir. On avait tous ces nigiri qui venaient, qui te passaient sous les yeux. C'était mais magnifique, magnifique. Ouais. Bah, c'est vrai que les Californiens, tu vois, c'est pas mauvais, hein. Ça existe pour une raison. Et les gens aiment ça pour une raison. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu surfait de temps en temps. Et puis les Californiens aussi, le problème avec l'avocat, c'est que si tu les achètes à Auchan, l'avocat a déjà changé de couleur et il est vraiment très amer. Auchan ou même Carrefour, hein, autant jeter les deux sous le même bus. Parce qu'ils font pas des trucs sur commande. Et c'est pour ça aussi que ça coûte le prix que ça coûte. C'est-à-dire un petit peu moins cher qu'en restaurant, parce que c'est préparé pendant leurs petites heures de boulot. Et honnêtement, c'est très décevant, je trouve, dans les supermarchés, les sushis, les trucs comme ça. Mais des fois, t'as juste pas le choix et tu te rabats dessus parce que t'as une envie, c'est tout. Moi, j'ai une. Je préfère quand même. J'aime bien les makis parce que je trouve que ce sont des petites bouchées vraiment simples à manger qui sont assemblées assez rapidement. Mais c'est sûr que après avoir été dans un conveyor belt sushi au Japon, un Kura sushi plusieurs fois, les nigiri, c'est vraiment pas mal. Surtout le petit nigiri que vous avez là qui fait la taille du pouce, comme ça, et qui a par-dessus genre. Un mini steak haché avec une pointe de mayo ou bien du porc ibérique. Là, on est là en train de se dire, ok, d'accord, pour moi, sushi, c'est du poisson, mais là, il y a quelque chose qui level up le truc. Et ben, c'est ça. Et j'adore ça. Je ne peux que le recommander. Donc, assemblons cette partie ici. J'ai pas coupé à 5. J'aurais dû couper à 5, j'aurais dû couper à 29. On va couper à 5 et à 29 maintenant, avant de manquer des parties importantes. En vrai, ouais, je pense que je vais peut-être me prendre des sushis. J'ai bien envie de sushis là d'un coup. C'était pas un mauvais choix. On va voir. Il faut de toute façon que je sorte. J'ai besoin d'aller acheter un peu des chaussettes chez Decathlon. Peut-être que, ouais, on va voir. Peut-être que je vais aller un peu loin. À 5. Oui, avec l'unagi, c'est trop bon. Unagi ou même anago. Le problème, c'est quoi ouais, donc ici, tout ce qui est unagi et tout, on essaie de respecter un petit peu les périodes où il faut pas en pêcher et tout, de ce que j'ai compris.
Et je me rappelle, à l'époque, Carrefour faisait des unagi. Dès qu'il y en avait, je prenais. Ça coûtait cher, mais c'était juste tellement bon. L'anguille, c'est fou comment c'est bon l'anguille. C'est cher, mais tout le monde devrait essayer l'anguille au moins une fois dans sa vie. Parce que croyez-moi, c'est une des meilleures choses que vous pourrez manger. C'est en plus le genre de poisson qui a un petit peu moins un goût poisson, mais qui reste quand même vraiment très très bon, très très. Enfin, on sait que ça vient de la mer, mais c'est. Ah, avec la sauce par-dessus, là, comme ça, grillé au charbon, mais c'est hors de ce monde, hors de ce monde. Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas le poisson, vraiment pas l'anguille, vraiment pas ce genre de choses, mais voilà. Moi, je refuse de vivre sans. Même si ça a un prix. Donc, il faut qu'on mette ça comme ça. Et lui, il va avoir besoin de colle. Je le sens, il tient pas assez. Donc, on va mettre de la colle. Ok, on referme ça. Ça me donne tellement mal à la tête cette colle. On referme ça ici. Ouais. Ok, on n'avait pas besoin de faire ça d'abord, mais je l'ai fait. Donc, on avait besoin de E27 que j'ai pas découpé. Pourquoi suivre des instructions? Allez, Angels Communication, l'autre meilleure partie de Gundam Wing. Donc maintenant, on va assembler cette partie-là là-dedans. C'est ici qu'il faut mettre ça. Non, ici qu'il faut mettre ça. Non. Ici. Non. Non, ici. Ici. Ici qu'il faut mettre ça. Ensuite, il faut qu'on mette ça ici, comme ça. Ouais, bah écoute, Rilina, elle a eu des belles vacances, hein. Mais j'aime bien, il est cute. C'est un ending très très cute. Ok. Et ensuite, on doit mettre la jambe ici, comme ça, dans cette partie-là. Ok. Et je crois que j'oublie rien. Non, il faut mettre ça ici. Ok, ça c'est la partie vraiment pas fun. Parce qu'il faut que ça rentre. Mais. On va voir. Et ensuite, on peut refermer ça. Comme ça. Enfin, on peut, on doit, hein.
Ok, ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Et on referme ça à l'arrière ici. Et on a une jambe. Et on a une jambe. Voilà. Donc comment est-ce que ça bouge? Ça s'ouvre comme ça. Ouais. Ok, c'est une jambe, mesdames et messieurs. Voici une jambe. Avec le talon qui peut se pincer comme ça pour pouvoir ensuite devenir un réacteur et faire voler le Hachimar. Ok. Dernière jambe, et ensuite on peut passer à l'assemblage final. Allez, c'est le endgame. Donc, on va un petit peu découper toutes les pièces parce que là maintenant, vu qu'il ne reste plus que ça, c'est facile. Ok, celle-là ici à découper. Ça aussi. Tiens, d'ailleurs, sur FF14, sur mon deuxième perso, j'ai fini Heavensward. C'était sympa. Le rework de certains des boss, comme ça aussi, m'a un petit peu surpris. Par contre, ouais, sur le dernier donjon, avant de finir. Avant d'aller sur le dernier défi, contre le roi Thordan, ça m'a rendu fou. On est tombé avec. Je l'ai fait avec quelqu'un que je connaissais et deux randoms. Non, attends, j'ai pas besoin de ça. Oui, où est-ce que ça va ça? Où est-ce que ça va ça? Vingt-six, vingt-sept. Où est-ce que j'ai oublié de mettre 26-27? J'ai pas oublié de mettre 26-27. Non, j'ai pas oublié. Je ne sais pas. Vingt-six, vingt-sept. J'ai des questions, mais j'ai pas les réponses. Tant pis. Ah, c'est ici, c'est ici, c'est sur les côtés. Ok. Ok, on y est, on y arrive, on y arrive. C'est sur les côtés, c'est sur les côtés du jetpack. Bon, on va faire ça, on va faire ça.
Tout va bien, je m'en suis rendu compte assez vite. Ça a vraiment été un désastre ce build, hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et le pire, c'est que vous savez ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de dire, voilà, on a fait deux high grade. Maintenant, c'est le moment de passer sur un master grade, mais je suis pas prêt de passer sur un master grade là de suite. Bien sûr, voilà, si je fais un master grade, je serai encore en train de faire un Zaku, bien sûr. Cette fois, ça sera le Zaku de Seed Destiny, le Zaku Warrior de Lunamaria. Il est rouge. On dirait que je suis pas prêt. On dirait que je suis pas prêt. J'ai encore. J'ai pas l'esprit où il faut. Et oui, ils sont censés être plus faciles que les RG, mais le truc c'est que là je suis en HG, donc si je suis déjà en train de galérer avec du HG, c'est que je suis pas en train de faire les choses comme il faut. Donc je devrais les nettoyer. Mais ouais, en fait ça c'est les parties qui vont monter et descendre ici. Ok, d'accord, oui, je vois. On va quand même nettoyer un peu ça. Ou en vrai, on peut venir le nettoyer pendant qu'il est dessus, parce que j'ai fait le panel lining. Allez, si je fais pas d'erreur dans une demi-heure, on est fini. Voilà. On va y arriver. Bon, sinon, vous avez prévu de faire quelque chose pendant ce long week-end? Rien, dormir, ok, d'accord. Quelqu'un vit sa meilleure vie, je vois. Ouais. Mais tu vois, moi je pensais, tu vois, il y aurait des trucs un peu plus intéressants à faire. Mais bon, si tu veux dormir, tu dors. Hein. Pas de soucis, il n'y a rien de mal à ça. Je fais ça la nuit de temps en temps. Voilà, on fait ça comme ça. Et normalement, je devrais juste avoir à tout. Voilà, normalement, j'ai juste à nettoyer et à assembler. Ouais, il essaie de finir le DLC. Bah, bon courage avec ça. De ce que tu m'as dit, ça a l'air d'être une histoire vraiment folle.
Donc, on avait dit, on met un petit peu du noir là-dedans. Ouais, je comprends ça, ne pas vraiment avoir la foi de jouer sur Switch. C'est une. À l'exception vraiment du remake de Metroid, j'ai plus joué sur Switch depuis un petit moment là. Le remaster de Metroid Prime était d'une très bonne qualité. Et je vais continuer à dire du bien de ce remaster, même si j'ai quelques problèmes de mémoire musculaire quand je joue à ce jeu. Et les boutons qui sont pas dans la même position. Et j'ai pas essayé avec une manette GameCube, mais si je pouvais, je brancherais la manette GameCube. Si je savais qu'on pouvait, je le referais là. Je le referais même en stream. Ouais, Nintendo c'est un peu vague comme problème, hein. Et aussi c'est un gros problème. Après, Liliana, t'avais pas fini Rune Factory sur PC? Rune Factory 5? Parce que. Ici, dans le chat, tu le sais pas, mais tu as un très très grand fan de Rune Factory. J'ai toujours pas fini le post-game, il faut que je fasse le truc là qui est un peu bullshit au niveau du niveau, donc il faut level up en masse. Une fois que j'aurai level up en masse, je pourrai faire le dernier donjon. Ouais, l'ergonomie monte sur Switch. On pourrait dire la même chose de beaucoup de jeux sur PC aussi. T'en fais pas. Moi j'y joue en docked et j'aime bien la manette Switch Pro. Donc, voilà. Mais ouais, jouer en 240p, 12 FPS, c'est vraiment très dommage. C'est un peu ça aussi le truc qui est dommage avec des mondes vraiment très jolis comme ceux qu'on a dans Xenoblade Chronicles 2, 3. C'est des jeux qui sont vraiment très très jolis, même sur Switch, mais c'est vrai que tu vois, framerate il suit pas trop et du coup ça motive pas forcément à continuer. Pour ça que j'ai jamais fini Xenoblade Chronicles 2. Alors que j'ai plutôt bien avancé, je crois. Faudrait que je continue, faut vraiment définitivement que je continue parce que c'est un jeu qui en vaut la peine. Tu trouves que la Switch sur le papier est une bonne idée? Mmh. Ouais, mais bon, toi, ce dont tu aurais besoin, ça serait plutôt genre un Steam Deck. On va voir comment le prochain Zelda va mettre en PLS la Switch avec ce que les gens vont faire. Parce que le prochain Zelda, là, je l'attends vraiment. Je l'ai pas précommandé, j'ai pas l'intention de le précommander, j'ai pas l'intention de l'acheter Day One, mais j'ai bien l'intention de l'acheter et de le faire en stream. J'aimerais beaucoup le faire en stream. Mais je vais attendre un petit moment peut-être avant de l'acheter parce que si je l'achète de suite, pas grand monde aura envie que de le regarder en stream. Et en même temps, s'il y a besoin, tu vois, de faire des patchs et tout, le jeu, je préfère, tu vois, y jouer quand il est un peu patché.
Tigrin, il a un peu plus de 8 ans en réalité, celui-là. Parce que je crois que c'est exactement le même que ce qu'il y a dans la Nvidia Shield. Après, du Pokémon Infinite Fusion, Valheim, ouais, pas trop mon délire. Surtout les fangames Pokémon et les jeux en Early Access. Même si Valheim n'est peut-être plus en Early Access depuis le temps. Mais la hype est un peu partie. Ouais, mais tu vois, moi j'aime pas le. Il est toujours en early, mais ça va. Le concept de early access pour moi, c'est un peu. Minecraft l'a fait, et les gens se sont dit, ouais, on peut faire la même chose. Et il y a eu des navets, il y a toujours des navets d'ailleurs, et il y a des bons jeux, des jeux qui sont bien faits. Par exemple, parlons un petit peu de Ark. Donc, il y a des gens qui adorent Ark, il y a des gens qui sont vraiment mais à fond sur Ark parce qu'il y a des dinosaures, parce que c'est un grand truc en sandbox. Et on va dire, tu vois, l'idée elle est intéressante. L'idée est définitivement intéressante. Tu vois, sandbox avec les dinosaures, ouais, tu peux venir les attraper et tout, les apprivoiser. Sauf que derrière, tu as une équipe de dev qui est un petit peu en mode on va sortir un DLC pendant la période Early Access parce qu'on a envie de se faire du fric. C'est comme ça que j'ai vu les sous-titres, c'est comme ça que je les ai lus. Et on a aussi l'aspect de les devs qui se disent tiens, on va sortir un 2 comme ça, on va dropper le support du 1 ou un remaster du 1, je sais plus ce que c'était le délire là. Alors que leur jeu, enfin, tu veux remaster quoi exactement? Il est sorti genre l'an dernier ou il y a 2 ans. Enfin, je crois. Le truc est resté en Early Access pendant tellement de temps. Et ils sont déjà en train de venir de le dropper pour venir de sortir le 2 qui va faire quoi? Tourner encore moins bien que le premier? Et de sortir un remaster du 1 qui tournera encore moins bien que le premier? Donc, Ark s'est foutu de la gueule de leur base de joueurs. De leurs fans. Mais leurs fans, c'est exactement les mêmes fans que ceux qui jouent à Star Citizen, qui disent « Ouais, le jeu, il va sortir, il va être bien, vous allez voir, il y a Mark Hamill dans le jeu et tout, c'est une valeur sûre, ouais, fais-moi confiance, bro. » Sauf que, non, c'est... Ça, c'est la preuve que il y a des gens, ils aiment se faire pigeonner, et s'ils pouvaient, ils passeraient leur journée dans des clubs SM à se faire voler leur argent sans qu'on les touche ou quoi que ce soit. Parce que c'est un peu ça, quoi, l'image. C'est le joueur vraiment très masochiste avec son porte-monnaie qui accepte de prendre, mais... Enfin, qui accepterait limite de s'endetter dans le seul but de... Discord... Ah, ça c'est un message important, je suis désolé, je dois le lire. Par rapport à un ticket que j'ai fait... Ok, d'accord, bon. C'est donc comme ça que ça se passe. Je dois juste checker, j'ai peut-être une notif. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de notif à ce sujet. Ok. Ouais, bon, c'est pas grave. Petit truc important, pas besoin d'en parler, mais j'ai quand même rentré un petit peu dans le détail, mais il y a le serveur de PSO2FR, Discord, qui est un petit peu genre... En fait, on a le...
le propriétaire du serveur qui a pas montré, qui est pas passé depuis un bon moment. Donc, du coup, j'ai fait un ticket à Discord pour essayer de le récupérer, avoir un petit peu s'assurer que voilà, soit il y a quelqu'un qui va répondre. Donc, le process, c'est faire un ticket pour la demande et dire j'aimerais qu'on me le transfère parce que le propriétaire n'a pas été actif pendant un certain temps. Eux, de leur côté, ils vont essayer de contacter Carantaise pour essayer de voir s'il est en vie, si il accepte ou même s'il refuse le transfert. Simple fait de refuser au transfert voudrait dire qu'il est au moins en vie. Et s'il refuse pas le transfert, dans 7 jours, le serveur me sera transféré. Et je deviendrai le propriétaire parce que c'est juste que quand quelqu'un est inactif pendant autant de temps, c'est très inquiétant. Et on n'a pas vraiment envie que. Enfin, on a besoin que le propriétaire soit actif. Soit au moins présent, soit au moins en vie, puisse au moins répondre aux messages. C'est juste important. Donc voilà, j'ai fait une demande il y a quelques jours. Et on va voir comment ça se passe, parce que c'est assez inquiétant, le gars il n'a pas pointé le bout de son nez depuis quelques mois déjà. Normalement c'est quelqu'un, s'il est inactif pendant 4 mois sur Discord, on peut commencer à faire la demande. Et le dernier message date de novembre de mémoire. Donc voilà, un peu inquiet, et en même temps, j'ai pas tellement envie de m'en occuper de ce Discord là-bas, mais bon, c'est. L'idée, ce serait au moins de pouvoir récupérer le lead et faire quelque chose quand il y a besoin de faire quelque chose, quoi. La modération a déjà été informée, Guimera est au courant. Parce que Guimura, c'est un des plus actifs de la modération là-bas. Je regarde juste un truc. Ouais. Ok. Donc voilà, je crois qu'on a toutes les pièces. Donc j'avais dit que je voulais colorer un peu celle-là. Donc on va venir et on va faire ce que j'avais dit. Donc ça consiste à venir peindre ce tuyau d'une couleur un peu métallisée, gunmetal. Voilà. Pas trop trop mal. Là, il y a un trou. Je ne sais pas pourquoi il y a un trou. Mais bon, on peut quand même faire autour du trou. Et faire le tuyau. Voilà, on laisse un petit peu sécher avant d'assembler ça. Donc, on ressort la colle pour l'autre partie là avec le réacteur parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un petit peu de colle sur cette partie-là aussi. Lui, il est. Ouais, on l'a nettoyé. Donc, on va le tenir comme ça. Voilà. On l'insère ici. Ça devrait tenir tout seul ensuite. On referme ça. Waouh. Ça fait vraiment mal à la tête cette colle. Et on peut mettre le cache par-dessus.
Ok, d'accord. Bon. Donc, ça, c'est la partie où on va build la plupart des trucs. Donc, on a besoin de mettre cette partie-là là-dedans. Donc, à peu près là, c'est ça. On va avoir besoin de mettre ça ici comme ça. On doit mettre ça ici comme ça aussi. Donc c'est comme ça qu'on construit ça. Sur l'autre côté, on doit mettre celui-ci ici. Et du coup, il faut mettre le pied. Mais il faut qu'on construise aussi la jambe ici. Donc on va construire la jambe. Donc on a besoin du polycap ici. On va passer à travers. Et ce polycap, on va lui mettre. Ah ben non, au-dessus de lui, on a besoin de. Mettre celui-ci comme ça, par-dessus. Ensuite, on va avoir besoin de mettre les tuyaux vers le bas, ici. Ça devrait le faire comme ça. Voilà, ça le fait. On doit passer celui-ci à travers comme ça. C'est bien ça, c'est bien ça. On passe ça à travers. Ok, tight fit, mais ça passe. On met cette partie à l'arrière ici comme ça. Ok. Donc là, on a la partie qu'on veut. Après ça, on a besoin de cette partie ici qu'on va passer ici. On a besoin de refermer ça ici. Et ça va ici comme ça. Non, est-ce que ça va ici comme ça? Ouais, ça va ici comme ça. Et on doit mettre le pied là-dedans, comme ça. Et normalement, on referme tout. Il ne reste plus de pièces. On referme tout ici, comme ça, proprement. Il y a des pièces qui ne veulent pas être droites, mais ça va aller. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour certaines pièces, mais ça rentre. Ok. Ça le fait. Et du coup, on a nos deux jambes. Ah, je l'ai pas très bien nettoyé cette pièce ici. On va rattraper ça. Ça le fait, ça le fait. Ok, et pour l'assemblage final,
même si je peux venir donner un dernier petit coup ici. Ouais, c'est un petit peu assemblé à la va-vite hein, sur la fin, mais ça va, c'est pas trop trop mal. Donc pour l'assemblage final, on vient, on assemble ça comme ça. Ok. Ok, les bras vont pas tenir très bien, hein, honnêtement, moi je vous le dis. Sympa, et pourquoi est-ce que tu assembles le mauvais bras du mauvais côté? Ça ne se fait pas, voyons. Ensuite, on va se moquer de lui à la sortie de l'usine. Ok. Et la tête. Et la tête. Et voilà, on a notre Hachimar qui est construit. Pas parfait, effectivement, il y a des trucs qui sont un petit peu... Enfin, ouais, jambes, j'ai pas l'impression qu'elles tiennent trop trop bien les jambes. Mais c'est pas grave. Pas le meilleur des bulles, ça c'est certain. Je vais juste essayer de nettoyer un peu du panel lining ici, mais je crois pas que ce soit du panel lining en fait. Ouais, non, c'est pas du panel lining, c'est là où il y avait les grappes qui étaient connectées. C'est important? Ça a l'air. Voilà. Désolé, c'était important. Tellement de la merde, Discord sur mobile aussi, là, qui ne charge pas correctement les choses. Ridicule. Ridicule, Discord. Ridicule. Ben, je voulais juste faire ça un petit peu. On va juste... Voilà. Bon, honnêtement, en tant que AG, c'est pas le... celui avec la meilleure finition de Hachimar, mais je regrette pas de l'avoir. Pour autant, je veux dire, j'ai passé quand même... On a passé quoi 5 heures à le bulle 5 heures. C'est pas trop trop mal, c'est plutôt bien. Donc, on va quand même ouvrir la page couleur parce qu'il y a des infos un petit peu importantes sur comment on est censé le mettre sur la station, ce genre de choses. Enfin, comment on est censé même le transformer. Donc,
Il y a un petit bouton ici pour le mettre, un petit trou pour venir le mettre ici. Et comme la vis dépasse, je sais pas. Je sais vraiment pas. Enfin, on peut venir, on peut le mettre un petit peu comme ça, là. Donc voilà, la station est comme ça. C'est sympa. Ça le tient. Il est un petit peu, on va dire, stoïque. Arrête de donner des coups de pied dans le trépied, mec. Pourquoi tu fais ça? Mais ouais, donc plutôt sympa. On peut stocker quelques parties en plus sur le dessous. Donc on a quelques parties pour par exemple fixer le gun et tout. Je crois que d'ailleurs pour le gun, on peut rentrer, ouais, on peut rentrer la poignée. Parce que bien évidemment, il va pouvoir le fixer sur le dessous. Donc on va chercher ça là-bas, la partie pour fixer le gun. Ça, on va le découper juste très vite fait. Voilà. Pour le transformer, donc on l'enlève d'ici. Ok. Donc, a priori, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rentre les mains. Donc, le mécanisme pour rentrer les mains, c'est avec ça, pour les tenir. Donc, on les rentre ici, un peu comme ça, c'est ça? Voilà, on rentre ça comme ça, on appuie. Donc voilà, il a les mains dans ses manches, plus ou moins bien. J'ai dit plus ou moins bien. Pas trop trop convaincu, hein, d'accord? C'est pas clairement ce qu'il y a de plus quali. Ok, on lui remet le bras comme ça. Et ensuite, on doit juste venir faire ça avec les bras pour voilà, avoir vraiment la partie bien circulaire comme ça. Une fois que les bras sont rentrés, non, alors attends, ça doit quand même être comme ça, ouais. Enfin, une fois que les mains sont rentrées, il montre un truc avec ça ici où il faut ouvrir le buste. Ok, on ouvre le buste comme ça. Donc il faut que le buste soit ouvert, on a la vue de dessus comme ça. On va faire des trucs avec les pieds, on va ouvrir ça à l'arrière. Voilà. Pour pouvoir... Pour pouvoir rentrer le... On ouvre ça, on fait... Ah oui, d'accord, ok. On fait pivoter un petit peu ça vers l'intérieur. On referme. Donc en fait, ouais, parce qu'on peut faire pivoter un petit peu les jambes à l'intérieur. Cette partie-là va pivoter, comme ça. Puis ensuite, on va juste forcer, comme ça. Ouais. C'est ça, ça fonctionne. Ça fait ressortir un petit peu les jambes, du coup. On monte ça ici. On fait pivoter cette partie du corps. Donc, parce qu'on a ouvert le buste ici, on peut faire pivoter cette partie du corps, l'entrejambe ici. Un petit peu comme si il était en train de se mettre en boule. Les bras qui sont au milieu. On va y arriver. On va y arriver. Ah. Ouais, non, je crois qu'en fait c'est le maximum pour faire pivoter comme ça. On fait pivoter comme ça ici. Puis ensuite, là, il fait un truc. Je sais pas trop quoi.
Ah oui, le backpack. On met le backpack à l'arrière, on fait descendre le backpack. On fait descendre le backpack comme ça. Donc en fait, non, il faut que ça pivote un petit peu plus loin. Voilà, ok. Je crois qu'à un moment, de toute façon, les bras vont devoir faire ça comme ça pour pouvoir rentrer dans ça à l'arrière, ici. Et la tête va devoir pivoter sur le côté, peut-être pas ce côté-là. L'autre côté, sans doute. Ouais, l'autre côté. C'est plus joli sur les images, ça c'est certain. Ensuite, la tête, elle se split un petit peu ici pour pouvoir faire l'arrondi. Ok, on rentre l'antenne. Les jambes, j'avais pas pivoté les jambes, il faut pivoter les jambes à l'arrière comme ça. Et je crois que on est bon. Et on doit fixer le gun. Donc on fixe le gun ici comme ça. Attends. Non, on fixe pas le gun comme ça. On fixe le gun comme ça sur cette partie qu'on enlève ici. On rentre la poignée ici. Et on a un Hachimar. Voilà. Hachimar. Et du coup, ça, c'est la partie pour le fixer sur la station. On le fixe comme ça. Ouais, c'est ça. Et on doit rentrer ce truc sur la station là, comme ça. Je comprends pas. Ils ont les instructions. C3, j'ai oublié C3. Est-ce que toi tu es C? Toi tu es E. Est-ce que toi tu es C? Tu es C. J'ai skippé une étape au tout début. C'est pour ça que la vis elle dépasse. Mes yeux. Non, en vrai, c'est cette lumière. J'en suis certain que c'est cette lumière. Je vais blâmer ça sur cette lumière. Bon. On peut corriger ça. Je comprends mieux pourquoi il y a des trucs qui me semblaient pas trop logiques là-dedans. Je comprends mieux. J'étais là en train de me dire, la vis n'est pas censée dépasser, et elle dépasse. Et on doit mettre ça comment? Ouais. Alors, en plus, on va devoir l'enlever ici. Donc, on doit le passer comme ça. Et ensuite, on doit placer ça comme ça. Quelle idée d'utiliser les vis dans du gunpla?
Ah. Regarde, on va passer la vis, si on va visser plutôt le truc à travers. Enfin, ça aidera à le placer, voilà. Et là, on peut le visser. Et comme j'ai dit, on a un hachimar. Et voilà, on a notre Hachimar, notre tout beau, tout propre Hachimar qui canarde l'équipe en face depuis très haut en lançant des grenades de napalm et plein d'autres trucs. Ou qui feront la game aussi de temps en temps. Parce que malheureusement, mon expérience avec les randoms fait que c'est souvent comme ça. Comment ça, j'aime pas les randoms? C'est faux. Donc, au niveau des accessoires, donc on avait vu, bien évidemment, on va mettre ça de côté. On a encore une main ici. En fait, on peut venir fixer l'autre main qui va tenir le gun. Il faut découper la main qui nous reste ici, qui est en deux parties. Pourquoi en deux parties, je sais pas, mais j'aime vraiment pas ça. Non, celle-là, ça va, elle est en deux parties, logique, ça passe. Donc on va juste découper ça rapidement, mais ça reste quand même le plastique là, un petit peu mou. Bon, je ne suis pas trop fan, mais je comprends pourquoi il existe. Ceci dit, on a quand même des polycaps qui viennent avec, donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et on a besoin de l'arrière de la main. Et voilà, ça devrait le faire. Ça c'est cool parce que maintenant en plus, vu que lui il a une station à part, et je vais voir, je vais un peu jouer avec pour voir comment je vais le poser, faire une belle pose. Soit je vais prendre une des poses comme celle-ci, là comme ça, qui est un peu simple, genre il vient de finir de se transformer, il commence déjà à canarder. Ou je vais prendre une autre pose, on verra. Sinon, je vais le laisser juste comme ça, en mode fly. C'est pas mal. Donc, on ajoute ça à l'arrière ici. On a besoin de nettoyer un petit peu le panel lining, encore une fois. Encore une fois. Ça devrait le faire. Voilà. Et quand on le ferme avec le gun, voilà, ça donne ça quoi. Autant fermer la main un peu proprement. Donc ça sera la main pour tenir le gun. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Donc sur le dessous, on peut mettre cette partie-là qu'on a enlevée, qui permet en fait de boucher le petit trou qu'il y a sous le gun ici. Enfin sous le Hachimar pour mettre le gun. Ils disent qu'on peut mettre la main ici, donc on va mettre la main ici. Voilà, pour pouvoir ranger ça. C'est sympa de pouvoir ranger un peu les jouets. Et le truc du gun, en fait, se rangera là aussi, là-dessous, au besoin. On va juste, voilà, remplacer un petit peu ça vers le haut, comme ça. C'est vrai que la finition n'est pas totalement parfaite. Il y a un peu des trous un peu partout. Mais, ouais, globalement, dans son ensemble, moi, j'aime beaucoup. On va juste. J'ai pas nettoyé le panel lining du gun, donc on va le faire.
Et voilà, donc on va le laisser fermer comme ça. Donc on repose le gun là-dessus, comme ça. Donc ça va nous servir de base en fait. Et voilà, on recombine comme ça pour voilà, avoir un joli Hachimar bien placé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça d'ailleurs, c'est la petite caméra pour que le Hachimari puisse voir quand il est transformé. Ouais. Alors, bien sûr, voilà. C'est un petit peu. C'est pas. C'est peut-être certainement pas comme. Qu'est-ce qu'on a? On a le Zeta en RG. Ça, je l'ai pas vu, mais comme le Zeta en RG, il est un peu genre early RG, faut voir ce que ça donne. Donc peut-être que si vraiment j'ai envie de me en faire un autre transformable dans une gamme plus grande, je ferai peut-être le Zeta en RG. Mais je suis pas très fan du Zeta, pour être honnête. Sinon, est-ce qu'on en a d'autres qui se transforment? On a ceux d'Unicorn qui se transforment aussi en HG. J'ai oublié comment ils s'appellent, mais c'est ceux qu'on voit au tout début, dans les deux premiers épisodes, les petites victimes qui se font rouler dessus par Marida. Donc faut voir. Peut-être que ça peut être sympa aussi à faire. Et ensuite, il doit y en avoir d'autres des transformables, parce que avec Zeta, on a commencé à avoir quelques unités transformables. On a le Métos, mais le Métos, je ne l'ai pas vu en magasin depuis un petit moment. Et peut-être que le Métos est sorti à peu près à la même époque aussi. Pas trop fan du Métos, honnêtement, au niveau du design, même si ça peut être sympa. Et puis. Ouais, bon, y en a plein qui se transforment, hein, ou qui prennent des Core Fighters, ou quelque chose comme ça. Oui, Yakushiki, aussi, Delta Plus. Le Yakushiki, le problème, c'est que si je le veux, je voudrais plutôt l'avoir en doré, et ils font pas vraiment doré en G. C'est un peu genre le jaune qui essaie presque de faire du doré, comme on a avec le Fenix. Et c'est un petit peu dommage, parce que. Ça va pas aussi loin que ce qu'on voudrait. Mais faut voir. On verra, j'y réfléchirai à ce que je prendrai. De toute façon, j'ai du backlog là-bas, hors caméra. Vous pouvez pas voir ça. Moi, je le vois. Et on va voir ce que je pourrais faire pour le prochain. Mais pas un AG. Je pense qu'on va pas faire un AG, même si j'aimerais tellement faire le Daribald. Maintenant que Bob est revenu dans l'animé. J'aimerais bien faire son mecha en espérant que le Daribald réapparaisse dans l'animé aussi, parce qu'il était assez cool. Mais voyons voir ce que je pourrais faire pour le prochain. Donc peut-être pas le Sgok en RG. Je pensais peut-être le Zaku en MG, mais vu que je suis peut-être pas suffisamment en forme pour faire le Zaku en MG, faut voir. Je vais mettre ça de côté quand même, juste pour sortir un petit peu des boîtes. Ranger un petit peu des choses d'abord. Parce que les boîtes, elles sont toutes là, mais il faut faire un petit peu de place parce qu'il faut piler des trucs. Les développeurs comprendront de quoi je parle. Donc, on avait dit que j'avais le Sgok, mais ça, je vais le skip pour le moment. On avait dit que je devais aussi faire cette station, mais je l'ai toujours pas faite. Donc ça, à la limite, c'est quelque chose que je pourrais faire pour démarrer un stream. Mais vu qu'elle est grosse, en fait, j'ai bien envie de me prendre un Zaku normal en MG, un Zaku Universal Century, pour le faire, parce que c'est vraiment une grosse station, quoi. On a vraiment cette plaque ici, là, qui est énorme. Bien sûr, j'avais dit, il y a ce Zaku que j'aimerais faire, c'est un high grade, donc on va skipper pour le moment. Mais c'est exactement le même type de Zaku qu'on a en high grade, avec exactement
bah le même manuel. C'est plus high grade que ça, il n'y a pas. C'est exactement le même. Juste qu'il vient avec des décals qui sont expliqués. Où est-ce qu'on va les poser, tout ça, avec des petits conseils. Ça, je l'ai acheté à la Gundam Base. Donc, ce que je voulais faire, c'était lui. Est-ce que ça rentre totalement dans le champ? Ça rentre plutôt bien. Donc, c'est le Zaku Warrior de Gundam Seed Destiny, celui de Lunamaria. Donc, comme on peut voir ici, y a des trucs. C'est une belle unité. Vas-y. J'ai besoin de la preview, donc je vais activer la preview sur la caméra directement. Mais ouais, voilà. Bon, c'est inversé, en fait. Maintenant, je me rends compte que c'est inversé. Mais il a un gros gun. Et juste pour vous voir, parce que j'ai déjà ouvert, j'ai un petit peu regardé le manuel très vite fait. Donc, j'ai acheté des water slides. Deux fois. Parce que je suis con. Donc, voilà, deux fois les mêmes water slides. Mais au moins, ça veut dire que tu peux faire des erreurs. Sinon, ça vient avec des stickers. Et ça vient quand même avec un bon gros manuel. Donc voilà à quoi devrait ressembler le produit fini, qui est vraiment magnifique. Donc, ouais. Je vais poser ça ici. Enfin, ça, quand même, les manuels de Master Grade comme ça sont quand même d'un autre calibre. C'est vraiment magnifique la façon dont ils rentrent dans les détails comme ça, avec bien évidemment les explications en japonais, en anglais sur le dessous. Et ça, on les a vraiment, vraiment partout en fait. Il suffit de venir de lire tous ces trucs. Ça focus, j'espère. Enfin, voilà, c'est magnifique. Avec bien évidemment des explications sur tout ça. Très très épuré, hein, très. Vraiment, on fait que quelques pièces par page comme ça. Le soin apporté est vraiment bon. On a aussi des petites pièces là pour les à-coups, vous savez, les tuyaux. Bah, ici, là, c'est sur une seule runner, c'est déjà monté. Donc c'est vraiment pas trop mal. Et ouais, j'adore ça. Après, j'ai entendu dire que l'endroit où on met les décals, des fois, n'est pas trop logique, n'est pas trop intelligent. Genre, par exemple, ici, le sticker sur l'épaulette, c'est une épaulette, en fait, qui va être un petit peu arrondie. Du coup, le sticker, ça rend un peu moins bien. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Mais on va voir. Il est magnifique, celui-là. Enfin... Je dis ça juste parce qu'il est rouge, mais... Allez, on referme la boîte. On va empiler des boîtes, parce que j'ai plus trop de place pour déposer tout ça. La suite des trucs, là je vous montre encore quelque chose que j'ai acheté au Japon, mais ici on a celui-là, le 16 habits en SD, écoplat. Vas-y, est-ce qu'on voit le écoplat? On voit le écoplat. Donc, lui en gros, ce que c'est... C'est que visiblement il utilise en fait du plastique recyclé, donc c'est sympa. Je l'avais refermé parce que quand je l'ai mis dans ma valise, il fallait que je le referme. Je voulais pas que ça s'ouvre parce qu'ils viennent pas en fait fermer ou quoi que ce soit de base. Donc voilà. Donc ça pourrait être sympa de faire un petit bug pour un stream vraiment très très court. Je l'ai même pas ouvert. Voilà. Ça, c'est la première fois que je l'ouvre. Sinon, le manuel aurait été dessus. Donc voilà, le 16 habits en rouge. Celui-là, en réalité, sera noir. Avec un petit manga ici. Petite explication. Enfin voilà, quoi. C'est un SD, hein, pour ceux qui en ont jamais monté. Voilà à quoi on s'attend. Avec aussi les petits funnels là, qui sortent comme ça, c'est mignon. C'est tout le petit soin là, qui a apporté là-dessus. Le modèle est peint d'ailleurs, au passage.
Mais tout le soin qui est vraiment apporté à tout ça est vraiment magnifique. Et ça vient avec. Du coup, les spéciaux. Les stickers spéciaux. Et bien évidemment avec les stickers normaux. Mais bon, ça, je pense que je ferai directement avec de la peinture, vu que j'ai les feutres. Ça fonctionne très bien avec les feutres. Ça, il me semble que c'était pas trop cher. Je l'avais acheté à Yokohama, celui-là. Mais il n'y a pas de prix parce que c'est jamais étiqueté. Quelle surprise, c'est jamais étiqueté. Ensuite, dans les trucs du backlog que j'ai, donc je vais encore montrer un autre truc que j'ai ramené du Japon, que j'aurais pu monter beaucoup plus tôt. Donc voilà, je vous ai dit le Daribald. Donc, est-ce que je l'ai réouvert? Non, je l'avais fermé. Donc lui, je l'ai acheté le jour de sa sortie, donc le 2 décembre. Et il vient avec, du coup, les petits câbles pour connecter en fait les bras quand ils se déconnectent. Ou c'est peut-être pas pour les bras, c'est pour autre chose. Un peu des stickers, bien évidemment. Des parties en verre, des trucs comme ça. Et on a bien sûr le petit manuel ici, au fond, qui nous montre notre best boy Bob dans toute sa splendeur. Avant qu'il découvre que la dépression peut affecter les Spécians comme les Terriens. Manuel est quand même tellement petit là pour les Witch from Mercury que ça me fait tellement bizarre de les lire. Mais ouais, voilà, on a les câbles pour connecter les pieds comme ça. Et ça va être vraiment intéressant à mettre sur une grande station. Est-ce qu'il vient avec une station? Non, il vient pas avec une station. Il vient avec une station, un semblant de station là. Donc à vérifier. Mais lui, je pense qu'il va être très fun à build. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, dans les trucs que j'ai pas encore ouverts mais que j'ai acheté il y a beaucoup trop longtemps, un Marasai. Voilà. Lui, il a encore en fait les petits trucs en plastique là. Donc je l'ai pas encore ouvert. Je pourrais l'ouvrir aussi. Là, on peut juste les slide. Ça, c'est bien. De toute façon, je vais le construire. Donc, autant enlever le plastique. Donc, voilà, Marasai, tout ce qu'il y a de plus classique. Beaucoup de petites pièces. D'un peu toutes les couleurs, on verra. Ensuite, encore. Est-ce qu'il y en a encore? Radoga. Donc oui, bien évidemment, comme vous l'aurez deviné, j'aime bien ce qu'il y a un spike sur l'épaule, je trouve ça sexy, c'est mon délire. Donc voilà exactement la raison pour laquelle j'en ai pris un, mais pas seulement. Je trouvais qu'il était assez classe, tout simplement, en bleu. J'aime beaucoup le bleu en fait dessus. Donc lui, j'ai un peu lu le manuel, mais voilà, regardez-moi quand même cette classe. C'est genre le cousin du Zaku, le petit frère du Zaku, mais en différent, et le bleu est vraiment d'une couleur très bleu marine, un peu plus sombre que le gouffre. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa à monter. Donc je l'ai pris. Celui-là, il est copié arrêté 2009, donc on va voir comment c'est. Copié arrêté 2009, ça me fait un petit peu peur. Et on arrive bientôt à la fin. Et là, ça devient difficile d'attraper les boîtes. Quelle surprise, un Zaku. Je sais. Donc ça c'est celui de Gundam Origin. Ce qu'on voit en train de massacrer la flotte. Donc celui-là en fait c'est le modèle soit avec le bazooka comme ça, soit avec le sniper. En fait on a le choix de celui qu'on veut utiliser. Et c'est littéralement celui des deux persos là. Donc ici on a Gaia et ici on a Machu. Qu'est-ce que c'est que ce spam? Non, non, tout va bien, c'est important. Donc, ouais, ça le fait. Le manuel, lui, devrait être un petit peu plus unique. Donc voilà.
Il vient avec un peu des stickers pour les deux types. Toujours des stickers, bien évidemment. Mais ça doit quand même rester un Zaku de The Origin. Parce que ils ont un petit peu genre des motifs en plus autour des spikes. Donc c'est un peu une version, on va dire, peut-être plus haute définition que le HG Zaku, comme on a de nos jours. Et pour finir, ça c'est un dernier truc que j'ai rapporté du Japon. On spoil pas ce que c'est. Donc, je parlais d'un modèle qui se peint. J'ai parlé de ce truc que j'avais acheté. Je me suis dit, tiens, j'en ai déjà deux. Pourquoi est-ce que j'en aurais pas un troisième? Après tout, je veux dire, est-ce que c'est un problème? Devinez ce que c'est, pensez à ce que c'est, réfléchissez bien. C'est un unicorne. Et oui, j'ai encore un unicorne. Sauf que lui, c'est le Gundam Base Limited Unicorn Gundam Destroy Mode Painting Model. Vous allez me dire, en quoi est-ce qu'il est Painting Model? Moi, je vais vous dire, il est blanc, et vous allez me dire, le unicorne est blanc de base. Qu'est-ce que tu fais, Senpai? Sauf que il est un petit peu différent. Donc oui, toutes les parties sont blanches ou transparentes. Bouclier est un petit peu différent. On a en fait les deux antennes, enfin les deux fins comme ça. Donc pour vous montrer un petit peu plus en détail ici, de plus près. Donc on a la partie en fait qui fait plutôt Fenex. Et on a aussi celle du Banshee. Donc c'est un petit peu bonus. Pareil un petit peu voilà avec les boucliers qu'on a qui sont un peu plus stylisés. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa à avoir ce genre de modèle. Donc j'ai pris celui-là. C'est un AG, littéralement. Sauf que il a des pièces un petit peu différentes. Attrapons le manuel. Voilà, même les polycaps sont transparents. Et ouais, on se retrouve avec un manuel qui est différent. Donc pas forcément tout est différent dans le manuel. Là, on est un petit peu à la fin, mais voilà, si on commence avec le début, on se retrouve avec le unicorn, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, pour ceux qui ont déjà monté en AG, vous reconnaissez sans doute. Même si là, on a un petit peu des détails en plus par rapport aux antennes différentes. Et ensuite, voilà, on a vraiment en fait ces deux dernières pages ici, au niveau pour la peinture. Donc je vais juste refermer ça, voilà. Donc ils expliquent comment appliquer les décales. Je crois pas que ce soit des décales, mais c'est peut-être des décales. Il faut que je vérifie. Ou alors peut-être qu'il faut les acheter à part. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, je crois que les décales ils sont achetés à part. Donc j'ai des décales qui me restent pour le unicorn et j'ai d'autres décales en tout genre. Enfin j'ai le stack. Donc il y a des trucs qui vont totalement aller avec. Bien sûr, niveau peinture, moi je fais pas ça avec un airbrush ou quoi que ce soit, mais on se retrouve avec des trucs vraiment sympas, même avec les feutres. Après voilà, la vraie vie, ça serait de pouvoir airbrush comme lui là. Mais il faut le setup. Donc oui, encore une fois, un unicorn. Mais voilà, le unicorn, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est surtout, il a des parties qui sont transparentes comme ça. Oui, il est en destroy mode, mais il y a moyen de peut-être aussi faire un truc avec des LED. Mais je vais peut-être pas me lancer dans le modding et faire quelque chose avec des LED. J'aime bien juste le style du unicorn comme ça, en mode destroy. Enfin. J'aime bien, c'est tout. Après, je dis pas que la prochaine fois que j'y vais, je reviendrai avec autre chose ou la même chose. On verra hein, si ce style est vraiment sympa pour pouvoir le personnaliser et peut-être faire un unicorn avec des couleurs intéressantes. On verra. Peut-être un unicorn rouge parce que je suis comme ça. Mais lui, je le ferai probablement pas en stream parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer en stream si je peins, que je laisse sécher. Probablement pas la partie la plus intéressante. Donc, je le repose là-bas, comme ça, et on va voir ce que je repose là-bas. Donc, Zaku, Mikey Boy,
qui brille. Spiky Boy. On a une pile de 5 mobile suits ici qui ont toutes des piques sur les épaules. Donc, tous ceux qui sont âgés ici, je pense que je vais pas les faire sur le prochain stream. Enfin, la prochaine fois que je monte un truc en stream, ça sera pas un âgé, c'est sûr. Même si j'aimerais énormément pouvoir faire le Daribald. Ça serait pas trop mal. Mais on va voir. Je sais pas trop exactement vers quoi je vais faire. Pour l'unicorn stream, pour l'assemblage final. Ouais, mais tu vois, comme ça, AG, faire l'assemblage final, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si tu peins les parties, on va dire, un peu séparément, c'est bien. Mais en même temps, tu vas un petit peu, genre, je vais pas dire perdre du temps, mais tu vas être là à attendre que ça sèche, et ensuite tu vas effriter la peinture, tu vas vouloir le reprendre, parce que t'es quelqu'un de pas doué comme moi, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué, de mon point de vue. Ça nécessite vraiment, tu vois, beaucoup de diligence, d'efforts. Donc, faut voir. Ça me plairait hein, quand même d'essayer. Mais après, c'est un peu difficile à setup. Et en plus, tu sais, si tu vas peindre ça avec les feutres comme ça, enfin, c'est... T'es là, tu vas passer la moitié du stream à les secouer, et ensuite à venir essayer de les appliquer correctement. Ensuite, essayer d'effacer la peinture, à la rattraper. À faire ensuite des taches sur ton t-shirt FF14 comme ça, en rose, parce que t'étais pas bien habillé. Et du coup, t'es là, tu te dis, ok, bon, ben, je viens de faire une tache. Que ensuite, tu essaies de retirer avec de la colle à 70, puis tu te rends compte que la colle à 70, ça fait pas suffisamment le boulot. Mais c'est pas grave, parce que tu te dis, j'ai quelque chose de plus fort. Donc j'ai essayé du diluant de peinture, et le diluant de peinture, ça fait pas le boulot non plus. Donc t'es un peu en panique. Et oui, c'est un t-shirt FF14, il est... Voilà. Voilà, je peux pas trop montrer. Et ouais, j'ai une méchante tache ici. Voilà, en rose. Donc, voilà. Je vais sans doute m'habiller un peu comme un clochard, pendant que je vais le faire aussi. Parce que si jamais j'en mets un peu partout de la peinture, je veux pas en mettre sur moi. Ceci dit, lui aussi, je vais le peindre, le écoplat. Donc pour vous donner une petite idée, j'ai un écoplat Zaku aussi. Il ressemble à ça. Donc c'est un style très différent de ce à quoi vous avez l'habitude avec un Zaku. Ceci dit, le mono eye est peint. Toutes les parties tout autour sont peintes. Le problème, c'est que bah, pour le bouclier, j'ai un peu galéré et ensuite je me suis dit bah, je vais retirer la peinture. Donc j'ai essayé de retirer la peinture, puis finalement ça a donné un effet qui me plaisait bien en rose comme ça. Mais la peinture n'a pas toujours la bonne définition, on peut voir un peu les coups de feutre ici. On voit pas trop bien, attends, je vais sortir l'éclairage. Vas-y là, mets la torche, téléphone. Enfin, focus. Donc voilà, sur la jupe, on se retrouve avec quelque chose qui est pas trop top. C'est un peu particulier. Mais tout est peint dessus, sauf le noir. Donc on va voir, peut-être que je pourrais faire ça, le monter ou quelque chose, c'est sympa. Et du coup je le peindrai pas, parce que si je le peins en rouge, bah c'est un 16 habits. Donc faut voir. Mais j'ai d'autres feutres, d'autres couleurs là, qui pourraient être sympas, genre un 16 habits en vert. Ça ferait genre un 16 habits de Grunt. Je dis ça au hasard. Ouais. Ou alors, finalement je ferai le Sgok. Je montrerai mon Sgok en live. Donc voilà. Le Sgok en plus, il a l'air vraiment sympa. J'ai regardé un build du RG avec quelqu'un qui le peignait sur YouTube. Vraiment, ça avait l'air d'être magnifique comme pièce. Donc je vais peut-être faire ça, mais je sais pas. J'ai vraiment envie de faire celui-là quand même. Celui-là, ça serait vraiment top.
Ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça vaut le coup. Et pour rappel, les décals que j'ai, parce que j'ai un peu show off les décals, parce que je peux. Enfin, il faut ça d'ailleurs, j'avais dit, il fallait que je sorte le P90. Où est-ce que j'ai mis le P90? Je sais pas à qui j'avais dit que je devais montrer le P90. Tout va bien, ça tombera pas plus bas. Bon. Ah voilà, le P90. On va mettre ça de côté. Tiens, ça d'ailleurs, j'en avais parlé de AT-6 brièvement. Ça, c'est venu avec le AG, Juggernaut, AT-6. Il y a du texte. Il y a du texte. C'est un truc que j'aimerais vraiment pouvoir lire, mais j'ai pas encore le niveau pour. Ça tombera pas plus bas. Ça, ben ça c'est le Zaku Echo Plat. Là, vous pouvez voir, c'est le moment où ça a matché avec mon t-shirt. Voilà, c'est comme ça les accidents. C'est ta faute. Ok, on va mettre ça là au fond. Mais ouais, voilà, je voulais juste montrer un peu brièvement les décals qui me restent, parce que les décals que je pourrais appliquer sur le unicorn. Donc ici on a pour du AG. Bon, effectivement c'est très fédération. On a du unicorn, très unicorn, multi-use, donc ça veut dire pas nécessairement réservé uniquement à l'unicorn, mais aussi réservé, enfin plutôt à l'époque de l'unicorn. Donc on a bien sûr les petits unicorns ici, on a ça, c'est un peu petit. Bon, je sais pas ce que c'est Ecoas, j'ai oublié. Mais après, voilà, on a du Anaheim Electronics, on a bien évidemment du Xeon, on a les sleeves. Ici, pareil, on a du Stardust Memories. Vas-y, là, tombe pas plus bas. Donc, sympa. Des trucs, des petits cushions comme ça, qui sont vraiment jolis, très détaillés. Celui-là, c'est spécifique, bien évidemment, à la principauté de Xeon. Et du Thunderbolt, parce que je me suis dit pourquoi pas, même si en réalité j'ai rien de Thunderbolt. Aïe! Il va falloir que je fasse un truc avec cette station aussi, que je la finisse. Que je finisse de découper les parties. Mais bon, voilà. C'était tous mes trucs. Tiens, ça c'est. Ça c'est le SD Sinanju que j'ai monté. Non, mais ça ici. Polycap. On va mettre ces Polycap ici du Hashimar. Dont on ne s'est pas servi d'une partie d'entre eux. Allez savoir pourquoi. Ça, c'est du Messar. Du Messer. Voilà. Et on repose ça là-haut. Tranquillement, comme il faut, histoire que ça puisse pas tomber, mais ouais. Donc, bah, encore une fois, merci d'être venu à tout le monde. Je vais un petit peu regarder qui on a, qui on peut raid. Ouais, pas mal de textes hein, là-dedans. Tellement cool, AT6.
Ça, c'est une petite histoire courte. C'est dommage parce que sur la boîte de 86, les Juggernaut et les Leggin Life, il y a écrit uniquement pour la vente en dehors du Japon. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous le vend? Est-ce qu'on nous montre le truc? Enfin, est-ce que c'est en anglais? Non. Ça aurait pu. Donc le P90, je vais le laisser ici. Et ouais, du coup, c'était un Shimar. C'était notre good boy Hashimar. Et du coup, voilà. Merci à tout le monde d'être venu. C'était sympa. À peu près 5 heures pour pouvoir le monter. Une petite erreur comme ça. Qui, du coup, a valu un petit montage sur YouTube. J'espère que vous avez vu ça. Normalement, je l'ai partagé à beaucoup de monde. Donc, vous l'avez vu. Et là, aujourd'hui, ça devrait aller. Pas trop d'erreurs. On a fait des choses plutôt sympas. Je vais voir s'il y a quelqu'un à Raid. Quelqu'un qui est en ligne. Ouais, il y a un gars qu'on pourrait raid. On va voir ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pas se rater? Voyons voir. Ah, mais il fait du Monster Hunter Rise. Osef. En vrai, Osef. Bah, allez, je vais le raid quand même. Parce qu'on peut. Donc, raid, le nom du user, comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, là, je vais déconnecter. Je devrais prendre des photos. Et je pense que je vais peut-être me faire un peu une séance shooting ce week-end, avec les derniers trucs que j'ai montés, que j'ai pas forcément pris en photo, qui mériteraient d'être pris un peu plus en photo. Parce que, soyons honnêtes, on a monté pas mal de choses. Et que le aérial que j'ai commencé, que j'ai mis sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un Discord. Le Discord, pour y accéder, c'est ici. Voilà, c'est un peu la communauté. Il est nouveau, il est un peu vide, mais on participe un peu dessus. Donc voilà, c'est sympa. Et voilà, encore une fois, merci à tout le monde d'être venu. Et à bientôt. Wait, ça apparaît.